passé l'année 2006 à me plonger dans les enseignements ancestraux de Lao Tzu et à étudier son ouvrage monumental, le Tao Te Ching. Je ne saurais décrire tout ce que Lao Tzu m'a enseigné cette année-là. Le plus important, c'est que je choisis des pensées qui s'harmonisent avec le grand Tao, Dieu, plutôt qu'avec des illusions de suffisance évoquées par l'ego. Ce livre a aussi été influencé par le maître éminent Lao Tzu, car je lui ai demandé de me conseiller sur la façon de changer les habitudes de pensée établies depuis longtemps. J'ai puisé dans sa sagesse en considérant ses enseignements avec attention et en demandant ses conseils sur ce qu'il est nécessaire de faire pour modifier les vieilles habitudes qui se manifestent sous forme d'excuses. À travers un processus d'écriture dans lequel j'ai senti qu'une force plus importante que moi-même me dirigeait, le paradigme de ce livre, Les excuses, ça suffit, a évolué en fonction de ce qui semble être une collaboration avec l'homme nommé Lao Tzu, qui a vécu il y a quelque 2500 ans. Derrière le monde que décrivent vos excuses est le grand Tao, Dieu. Permettez-lui d'exister à travers vous et toutes ces excuses s'évanouiront pour que vous puissiez finalement rentrer à la maison une fois pour toutes. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Première partie. Identifier et supprimer les modèles habituels de pensée. La nature essentielle de chaque être humain est parfaite et sans faute, mais après des années d'immersion dans le monde, nous oublions facilement nos racines et adoptons une fausse nature. Lao Tse Oui, vous pouvez changer les vieilles habitudes. Une excuse est pire et plus affreuse qu'un mensonge. Alexander Pope. Ce livre a été créé à partir d'une croyance voulant qu'il soit possible de faire disparaître les façons de penser et d'agir, même les plus ancrées. Par ailleurs, le moyen le plus efficace pour éliminer les modèles habituels de pensée, c'est d'examiner le système qui les a créés et qui continue de les soutenir. Résumé en un mot, Excuse. Ainsi, le titre de ce livre est vraiment une affirmation que vous vous faites à vous-même. J'ai l'intention de faire disparaître toutes les excuses, celles qui vous retiennent d'être la personne que vous voulez être. Le pouvoir des croyances qui vous empêchent d'avancer comme des chaînes est énorme. Vous avez la capacité de vous libérer de ces chaînes et de les faire travailler pour vous plutôt que contre vous. Vous pouvez modifier ce que vous avez toujours cru être des explications scientifiques à vos caractéristiques et limites humaines. Je fais référence à des éléments comme votre ADN ou le conditionnement précoce qu'on vous a imposé quand vous étiez un embryon, un bébé et un jeune enfant. Les sciences implacables de la génétique et de la médecine vous donnent peut-être l'impression qu'il vous est impossible de triompher de faits prouvés qui soi-disant déterminent pratiquement tout ce qui vous concerne. C'est ma nature et ça ne peut être changé, c'est ce que j'ai toujours connu. Toutes ces pensées sont des lamentations de ceux et celles qui choisissent d'utiliser des excuses ou comportements conditionnés pour expliquer leur vie. Toutefois, chaque pensée restrictive est quelque chose que vous pouvez contester et inverser indépendamment du temps pendant lequel vous avez adhéré à cette façon de penser, et peu importe à quel point elle peut être enracinée. Même lorsqu'elle semble être des obstacles insurmontables, vous pouvez dépasser ces pensées et vous pouvez commencer à remarquer de quelle façon elles agissent pour vous empêcher d'avancer. Ensuite, vous pouvez vous engager dans un effort de déprogrammation qui vous permettra de vivre une vie libre d'excuses, un jour à la fois, un miracle à la fois, une nouvelle croyance à la fois. Le nouveau mot d'ordre au sujet des croyances. Si vous sentez que quelque chose en vous-même est devenu si profondément établi qu'il vous semble que cela vous définit, vous connaîtrez un sentiment d'impuissance lorsque la nécessité de changer cette chose se présentera. C'est particulièrement vrai quand vous observez des traits et des caractéristiques qui ont été vôtres depuis aussi longtemps que vous pouvez vous en souvenir. Cette partie limitative qui est en vous affirme alors il n'y a rien que je puisse faire. Après tout, je ne peux pas modifier ma biologie fondamentale. Je vous demande pardon, mais grâce aux principes que je vous communique dans cet ouvrage, vous en êtes très certainement capable. Des spécialistes scientifiques qui sont engagés dans la recherche en biologie cellulaire commencent à contester la croyance qui veut que nous ne puissions modifier notre biologie. Dans un ouvrage révolutionnaire intitulé Biologie des croyances, Bruce Lipton, un des pionniers de cette nouvelle façon de comprendre l'ADN, affirme que la vie n'est pas gérée par les gènes. Suite à ses recherches et conclusions, il avait réalisé que le corps humain, autant que l'univers lui-même, sont de nature mentale et spirituelle. Il existe un champ d'énergie invisible qui crée les particules que nous nommons cellules, et c'est l'unique principe directeur du fonctionnement du corps. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que Lipton a compris que nos systèmes de croyances personnelles, incluant nos perceptions, possède la capacité de triompher sur notre héritage génétique et sur notre ADN cellulaire. En d'autres mots, il vous est possible d'avoir un impact sur votre structure génétique et de la modifier en changeant la façon de vous percevoir. Vos croyances sont responsables de votre biologie. D'après ma nouvelle philosophie personnelle, ce que je suis, D'abord et avant tout déterminé par ce que je crois. Et cela m'amène à me concentrer consciemment sur le fait que les limites ou traits hérités de mes ancêtres n'ont absolument pas le dernier mot. Par la pratique de la citation de James Allen En changeant mes croyances, je change qui je suis j'ai attiré des caractéristiques nouvelles et merveilleuses dans ma vie. Donc, Souvenez-vous que vous êtes ce que vous croyez et non pas ce qu'on vous a transmis génétiquement. Pendant l'écoute de cet ouvrage, rappelez-vous que vous attirez ce que vous êtes, non ce que vous voulez, et que vous êtes en fait vos croyances et non vos cellules. Outre notre constitution génétique, le conditionnement familial et culturel avec lequel nous sommes programmés est fréquemment utilisé comme excuse importante pour justifier le malheur, la mauvaise santé et le manque de succès. Suivant cette ligne de pensée, il existe un domaine de recherche fascinant appelé mémétique. Ce que j'en comprends, c'est que la mémétique provient du mot mimique qui veut dire observer et copier le comportement. L'idée maîtresse est celle-ci la transmission d'une idée, d'une attitude ou d'une croyance se fait mentalement. À l'âge de six ou sept ans, nous avons tous été programmés avec un approvisionnement infini de mèmes venant de mémétique. Qui agissent exactement comme le fait un virus. Chaque excuse que vous découvrirez dans ce livre est en réalité un même qui a un jour été implanté dans votre esprit. Personnellement, je suis fasciné par l'existence de ces petites unités invisibles auxquelles j'ai permis l'entrée dans mon cerveau et qui continuent à influencer ma façon de penser et de me comporter aujourd'hui. De plus, comme j'ai agi selon leurs besoins, je les ai transmis à mes enfants. Involontairement, je suis devenu un porteur comme pour un virus de l'esprit. Tout comme moi, vous avez absorbé des milliers de pensées et d'actions imitées. Lorsque les virus de l'esprit vous sont utiles, c'est un plaisir de s'y conformer et d'exprimer silencieusement votre reconnaissance. Mais, quand il travaille contre vous, et qu'il vous empêche de réaliser vos désirs, vous êtes alors sommé de vous en débarrasser. Pensez que vous serez toujours pauvre, malchanceux, obèse ou maigre, que vous aurez toujours une personnalité dépendante, que vous n'attirerez jamais votre âme sœur, que vous continuerez à faire des crises de colère, que vous manquerez toujours de talent artistique ou athlétique, ou que vous serez toujours timide, ne sont que des excuses. Lorsque vous les voyez pour ce qu'elles sont, il vous est possible de les éliminer. En employant un nouvel ensemble d'habitudes de pensée, vous améliorerez votre vie et vous participerez à l'attraction de tout ce que vous êtes vraiment. En même temps, vous présenterez une nouvelle et meilleure façon de vivre pour les gens de votre entourage, les victimes non intentionnelles du virus des excuses. Ce sont vos modèles de pensée qui soutiennent vos comportements et qui font ou défont votre vie. Alors que certaines d'entre elles opèrent à un niveau conscient et sont faciles à reconnaître, d'autres sont profondément incrustées dans votre subconscient. Je nomme cet énorme réservoir de vide, un réservoir qui nous pousse loin de notre niveau optimal de santé, de bonheur et de succès, l'esprit habituel. Alors que ces types de pensées peuvent sembler inatteignables, je vous assure qu'ils reviendront à la surface lorsque vous adopterez l'attitude ⁇ Les excuses, ça suffit !⁇ vos deux esprits. Je nomme conscience créative l'esprit auquel on se réfère fréquemment comme à l'esprit conscient, et l'autre est votre esprit habituel, que j'appelle subconscient. Pourtant, qu'il provienne de la conscience créative ou de l'esprit habituel, je crois que tout modèle de pensée qui n'encourage pas un développement serein, est une excuse. La conscience créative. Cette partie de votre esprit qui est invisible et sans place attitrée est la partie qui organise et annule des plans, en ajoute de nouveaux et réfléchit continuellement. Cette conscience créative est toujours présente au point même que lorsque vous voulez qu'elle se taise, il peut être très difficile de la maîtriser car les pensées ne cessent de se manifester. Voici l'observation de Bénédicte de Spinoza dans les années 1600 que je n'ai jamais oubliée. L'esprit humain est une partie de l'intelligence infinie de Dieu. Imaginez l'avantage inestimable de considérer que cet esprit vaste et mystérieux fait en réalité partie de la source qui crée tout. Donc, si votre esprit est créateur, tout comme l'esprit de Dieu est créateur de l'univers, alors il peut fonctionner au plus haut niveau d'efficacité que l'on puisse imaginer. La force créative n'exige rien et n'a pas d'égo. En d'autres mots, la vocation la plus importante de votre esprit conscient créateur est d'être l'équivalent humain de l'esprit de Dieu. Pourtant, vous conviendrez que la plupart de vos pensées se concentrent sur l'univers relativement petit qui entoure votre moi humain, donc tout à fait susceptible d'être modifié. À votre requête, l'esprit conscient créateur peut transformer vos pensées, concrétiser les affirmations que vous créez, se laisser aller à des méditations bienheureuses lorsque vous l'y invitez et apprendre presque n'importe quelle habileté lorsque vous le voulez vraiment. Il peut analyser tout ce vers quoi vous l'orientez. Par la discipline, l'effort et une pratique constante, il peut aussi accomplir presque toutes choses sur lesquelles vous concentrez vos pensées. Votre conscience créative a développé une connexion fragile qui est remplie de parasites car elle est basée sur une activité mentale située en surface. Donc, les signaux provenant d'une partie de l'intelligence infinie de Dieu sont réduits au silence par une orchestration de l'ego qui émet des messages tels que ⁇ Qu'est-ce que ça va donner De quoi j'ai l'air Combien d'argent je peux faire Pourquoi on exige autant de moi ?⁇ ces pensées vous assaillent sans cesse, puis s'en vont et reviennent immédiatement. L'esprit habituel, subconscient Les stéréotypes en psychologie affirment qu'une bonne partie de vos croyances à votre sujet, de même que presque toutes vos actions quotidiennes, sont programmées dans votre subconscient ou esprit habituel. En fait, vous pourriez visualiser vos deux esprits comme des copilotes. L'esprit conscient a conscience de ses pensées, mais c'est un joueur de second plan, tel un pilote en formation, alors que le subconscient se charge de pratiquement tout ce qui vous est nécessaire pour réfléchir, parler ou agir. Selon cette perspective, L'esprit habituel ressemble à un ordinateur qui fait fonctionner un programme téléchargé qui a été programmé de façon permanente dès le moment de votre conception. Pour ma part, je soutiens qu'il s'agit d'une fausse croyance que l'on peut facilement reconnaître comme une excuse. Je ne crois pas que quiconque doit vivre avec la croyance que son subconscient est programmé de façon à ne pouvoir être réécrit. J'explique mon point de vue sur cette question. Selon moi, la réalité est plutôt que tout ce que vous pensez, dites et faites représente un choix, et que rien ne vous oblige à penser, à parler et à agir de la même façon tout au long de votre vie. Lorsque vous abandonnez le privilège d'exercer des choix, vous pénétrez dans le vaste monde des excuses. Immédiatement, alors même que vous entendez ces propos, décidez de commencer à exprimer vos choix plutôt que vos excuses. Vous pouvez instantanément décider de reprogrammer et d'orienter votre vie vers les niveaux de bonheur, de succès, de santé que vous désirez. Votre esprit habituel prend le pouvoir lorsque vous choisissez d'ignorer vos croyances conscientes et que vous continuez simplement à agir selon votre programmation. Vous resterez coincé jusqu'à ce que vous téléchargiez de nouveaux programmes, mais il vous faut d'abord savoir que cette option existe pour ensuite vous tourner vers votre esprit créateur et explorer vos choix. Identifiez les programmes de votre esprit habituel qui handicapent votre système. Ces attitudes, croyances et pensées qui ne vous rendent pas service sont des excuses qui ultimement iront rejoindre le panier à ordures. Mark Twain a fait cette merveilleuse observation. Une habitude est une habitude et on ne s'en débarrasse pas en la lançant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Mon objectif est de vous aider à vous persuader de descendre les marches dans un état d'esprit qui vous permettra de vivre pleinement votre vie. Vous faites partie de la même intelligence qui crée les univers. En fait, votre esprit est cette intelligence. Certains aspects de votre vie peuvent vous sembler être gouvernés par une force dont vous êtes inconscient et vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas faire de choix et que vous êtes emprisonné par votre réserve d'excuses je ne peux vraiment pas m'en empêcher par contre chaque fois que vous faites un choix vous pouvez accéder à votre esprit habituel et commencer à à le reprogrammer. Voyez-vous à travers une nouvelle lentille, je suis personnellement convaincu que tout le monde possède une capacité de grandeur qui transcende tout ce qu'on lui a appris à croire. Puisque nous sommes tous des fragments de la source créative infinie, nous devrions continuellement nous dire Je viens de Dieu et comme je dois être semblable à ce dont je tire mon origine, je suis une partie du divin. Je vous invite à faire l'essai d'une nouvelle lentille, vous donnant accès à votre faux moi, avec toutes ses excuses et ses croyances aux limitations. Permettez-vous de regarder à travers votre nouvelle lentille, en acquérant un ensemble de croyances qui inclut votre nature spirituelle ou divinement accompli. Soyez prêt à permettre à vos sens de s'adapter à cette nouvelle façon de voir. Transcendez l'idée que votre constitution génétique est inchangeable. Avec votre nouvelle habileté de percevoir votre ego, vous deviendrez un magicien qui détrônera facilement le dictateur qu'est votre faux moi. À mesure que vous devenez plus à l'aise avec cette nouvelle façon de vous voir, posez-vous la question suivante. Si personne ne m'avait dit qui j'étais, que serais-je Méditez paisiblement sur cette question en passant quelque temps dans l'immensité de l'inconnu. Alors, qui êtes-vous Quand j'ai fait cet exercice, j'ai découvert que ma réponse à cette question était assez simple. Je suis tout ce que je, et seulement je, choisis d'être en ce moment et dans tous les moments futurs. Cela signifie de me défaire de toutes les excuses que j'ai accumulées. Ainsi, ma vie habituelle ne serait pas basé sur la programmation primaire imposée par quiconque, étant donné que personne ne m'aurait jamais dit qui je suis. Appliquez votre nouvelle perspective aux catégories d'excuses communes. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez approcher cette perspective nouvellement acquise en regardant à travers votre nouvelle lentille. Les catégories d'excuses appartenant à la génétique, à la mémétique et à la conscience s'apprêtent à se faire montrer la porte. Votre nouvelle conception de la programmation génétique. Je suis certain que vous êtes familier avec une variation ou une autre de cette excuse populaire. Je ne peux rien faire, ça vient de ma famille. Mais, la nouvelle biologie à prouver que les croyances peuvent l'emporter sur l'ADN. Vous pouvez donc transformer ce que vous percevez comme étant immuable et hors d'atteinte en éliminant les excuses comme celles de la catégorie des excuses génétiques. Voici deux exercices à pratiquer pour appliquer ces idées à votre programme génétique. Premièrement, Soyez ouverts aux idées vérifiées scientifiquement et qui affirment que vos croyances ont le pouvoir de réorganiser et de transformer le monde matériel. Commencez par rendre ceci particulièrement pertinent pour vous dans votre destinée physique et personnelle. Permettez à ces nouvelles pensées concernant votre biologie de s'insérer doucement dans votre système de croyances. Encouragez-vous à considérer vos croyances comme faisant partie de ce qui vous affecte, peut-être même plus que ne le font les particules physiques. Deuxièmement, créez une affirmation qui témoigne de cette nouvelle philosophie où les excuses apparentées à la génétique ne sont pas admissibles. Vous pouvez très bien utiliser une phrase parmi celles de la liste suivante, mais Sentez-vous libre d'en inventer une de votre propre crue. Je peux modifier les infirmités de mon corps en modifiant mes croyances. J'ai le pouvoir de défaire des idées préconçues concernant mon destin génétique. Je peux guérir n'importe quoi en guérissant d'abord mes pensées. J'ai l'intention de donner la première place à mes croyances et je refuse de blâmer quoi que ce soit du monde matériel pour toute déficience dans ma vie. Votre nouvelle perspective sur la programmation mémétique Encore une fois, il s'agit d'une catégorie d'excuses dont vous dépendez probablement pour justifier pourquoi la vie n'est pas ce que vous voulez vraiment qu'elle soit. Il s'agit des grandes excuses des virus de l'esprit. Toute l'expérience de mon enfance et toutes les critiques injustes que j'ai reçues expliquent pourquoi je manque d'amour-propre. Comment puis-je changer ce que j'ai imité pendant tant d'années Voici deux exercices pour mettre en pratique votre programme mémétique. Premièrement, affirmez Je crois que je suis parfaitement capable de vaincre le conditionnement précoce que j'ai adopté comme faisant partie de ma personnalité et de mon expérience de vie actuelle. Sachez que des travaux de recherche montre que le pouvoir de la pensée est aligné avec l'esprit universel ce que plusieurs nomment le tao ou dieu deuxièmement affirmer qu'il est parfaitement possible de déprogrammer tout ce qui a été programmé et qui agit comme un virus en vous lorsque vous décidez que cela en vaut l'effort tout ce qu'il vous faut croire c'est que vous en avez la capacité et que vous commencez maintenant. Voici une affirmation qui vous guidera vers une conscience accrue et vers des réponses. Je suis beaucoup plus puissant aujourd'hui que les anciens programmes et virus de l'esprit que j'ai absorbés durant mon enfance. Si vous vous dites cela, votre guide intérieur apparaîtra. Votre nouvelle perspective sur la conscience créative. Les activités quotidiennes de votre conscience créative prolifèrent aussi en excuses. Vous pouvez croire que vous n'avez aucun contrôle sur les pensées qui continuent de jaillir dans votre tête, mais examinez cette idée étonnante. Vos pensées ne sont pas situées dans votre tête. La pensée est un système énergétique qu'on ne trouve nulle part dans le monde physique. L'univers lui-même et tout ce qu'il contient sont de nature à la fois mentale et spirituelle. Vous créez un champ d'énergie avec vos pensées et le champ crée toutes les particules. Ce champ d'énergie est une fonction importante du corps. Votre esprit conscient travaille continuellement et se connecte à ce champ à partir duquel tout est voulu. Mettez en pratique ces deux exercices. Premièrement, calmez votre esprit en pratiquant la méditation quotidiennement. Comme Sogyal Rinpoche l'a écrit, Apprendre à méditer est le plus grand don que vous puissiez vous accorder dans cette vie. En effet, Seule la méditation vous permettra de partir à la découverte de votre vraie nature et de trouver ainsi la stabilité et l'assurance nécessaires pour vivre bien et mourir bien. Trouvez un moyen de vous accorder ce présent et d'accéder à votre esprit créateur conscient pour éliminer les pensées inutiles, non désirées et superflues. Deuxièmement, servez-vous de déclarations positives quotidiennes qui donnent un sens à la vie et qui vous permettent de vous aligner sur la source aimante de toute chose. Plutôt que de permettre à vos pensées d'insister pour vous convaincre que quelque chose ne fonctionne pas comme il le devrait, reformulez votre esprit créateur conscient avec des croyances comme celle-ci. Je possède déjà ce que je désire. Mais je ne m'y suis pas encore connecté. Il ne peut en être autrement car mes pensées sont alignées sur l'esprit divin. Votre nouvelle perspective sur la conscience habituelle. Si vous croyez que votre esprit est en dessous du niveau de votre conscience éveillée, vous avez créé une excuse toute prête à employer chaque fois qu'il est difficile de modifier votre façon de penser. Et si ces pensées auto-restrictives vous appartiennent depuis plusieurs années, elles forment des excuses parfaites. Vous pouvez alors renommer le subconscient l'esprit habituel. Le mot habitude implique que vous avez fait les mêmes choix depuis longtemps, et que vous pensez, votre comportement sont simplement habitués à une certaine manière d'être. Ce terme suggère aussi qu'il y a de l'espace pour que vos pensées soient moins automatiques et mieux alignées avec la possibilité de faire des choix. Premièrement, afin d'amoindrir votre dépendance à l'excuse de votre subconscient, commencez par remarquer les choses auxquelles vous pensez. Faites l'essai de quelque chose comme ⁇ Je suis parfaitement capable de pénétrer dans mon propre esprit pour atteindre et modifier tout aspect de moi-même qui est supporté par mes modèles de pensée habituels, même si cela semble des automatismes. ⁇ Exprimez-vous de façon à ce que votre choix de vous débarrasser de ces excuses soit renforcé. Deuxièmement, adoptez cette devise pour vos pensées. Faites de bonnes choses et ne faites pas de mauvaises choses. Les mauvaises pensées vous incitent à vous engager dans des comportements auto-restrictifs. D'un autre côté, les bonnes pensées soutiennent votre désir et votre capacité de vivre à des niveaux élevés de joie, de succès et de santé. Lorsqu'il vous semble difficile d'accomplir de bonnes choses, faites-vous le cadeau d'entendre des pensées venant d'une époque où le conditionnement n'était pas encore profondément incrusté. Votre catalogue d'excuses Je ne connais rien de plus encourageant que la capacité incontestable de l'homme d'élever sa vie dans un effort conscient. Tiré de Walden par Henry David Thoreau. Cette citation est tellement significative pour moi qu'elle a en fait influencé l'écriture de ce livre. J'aimerais souligner quatre mots dans la citation préliminaire de ce chapitre. Encourageant, incontestable, élevé et conscient. 1. Ce livre vous encourage à remettre en question certains modèles et à vous sentir inspiré par une nouvelle conscience de la vie qui se cache derrière vos excuses. Invitez-vous à sortir des modèles de pensée établis. Et prenez conscience que rien ne peut vous empêcher de vivre votre vie de la façon la plus satisfaisante. 2. Vous possédez la capacité incontestable d'éliminer les excuses. Lorsqu'elles seront démasquées comme les fausses croyances qu'elles sont, elles se lèveront et partiront. 3. Vous pouvez donner une autre dimension à votre vie. Élevez-la en prenant la responsabilité de ce que vous êtes et de ce que vous choisissez de devenir. Par des pensées plus optimistes et significatives, vous pouvez transcender l'ordinaire et le banal. Vous pouvez décider d'apporter une dimension plus élevée à votre vie plutôt que de la laisser se détériorer par des excuses. Allez au-delà de votre situation actuelle. 4 Vous pouvez ramener vos désirs à votre conscience en déconnectant le pouvoir de votre subconscient pour qu'il ne puisse continuer à diriger votre vie. Votre subconscient, esprit habituel, est accessible. Déterrez donc les excuses enfouies profondément en vous. Devenez conscient. Soyez encouragé par votre capacité incontestable d'élever votre vie en faisant un effort conscient. Souvenez-vous de ces quatre mots lorsque vous passerez en revue la liste suivante de certaines des excuses les plus courantes dont vous aimeriez probablement vous libérer. Un catalogue d'excuses courantes Dans mon rôle de conseiller, d'enseignants et de parents, j'ai entendu plusieurs raisons dont se servent les gens pour expliquer une existence malheureuse. Inévitablement, elles tombent presque toutes dans une catégorie importante que je nomme excuses. La suite de ce chapitre vous présentera dix-huit des excuses les plus couramment utilisées, un bref commentaire sur chacune d'elles ainsi que une affirmation pour vous aider à faire un effort conscient, vous encourageant à élever vos croyances de manière incontestable. Les voici sans aucun ordre particulier. 1. Ce sera difficile. Bien que cette raison puisse sembler supportable, c'est manifestement une excuse destinée à vous décourager. Si vous êtes honnête avec vous-même concernant vos problèmes de dépendance, d'obésité, de dépression, de timidité, de manque de confiance en vous-même, de solitude, ou tout autre aspect de la vie, vous reconnaîtrez la souffrance inutile à laquelle vous vous accrochez. Si de toute façon ce doit être difficile, pourquoi ne pas choisir une souffrance utile Pourtant, le fait est qu'absolument rien ne vous prouve qu'il sera difficile de transformer ce que vous aimeriez changer. Il y a autant de chances que cela soit facile de changer une façon de penser que le contraire. Faire en sorte qu'une chose soit difficile dans votre esprit avant même d'avoir fait l'effort est une excuse. Comme a conclu un ancien maître taoïste, Rien au monde n'est difficile pour celui qui est déterminé à réussir. Affirmation. J'ai la capacité d'accomplir toute tâche avec facilité et confort lorsque je me mets en tête de le faire. 2. Ce sera risqué. Cette raison peut aussi sembler bonne, mais si vous vous convainquez que quelque chose suppose plus de risque que vous êtes capable d'en assumer, c'est une piètre excuse pour ne pas agir. ce qui est incontestable ici c'est votre capacité de choisir votre croyance au sujet des inconvénients de cette tentative. Je ne crois pas que l'on puisse toujours être assuré à cent cent que quelque chose soit sans risque. Si vous êtes habitué à user de prudence dans le but de plaire à toutes les personnes que vous rencontrez, alors vous êtes victime de votre propre fabrication d'excuses. Mais, même si vous croyez que vous prenez des risques en modifiant votre façon de penser, qu'est-ce que ça peut faire La paix que vous ressentez parce que vous avez ignoré l'inquiétude d'un risque a beaucoup plus d'impact sur votre vie que si vous restez confiné dans une croyance qui n'est au fond qu'une excuse. Affirmation. Être moi-même est sans risque. C'est ma vérité ultime et je la vis sans peur. 3. Ça va prendre du temps. Est-ce une raison valable ou une excuse pour ne pas agir Si vous désirez apporter une dimension plus élevée à votre vie, le temps n'est vraiment pas important, n'est-ce pas Et cela est particulièrement vrai quand vous prenez conscience que tout ce que vous obtiendrez toujours, c'est maintenant. Chaque pensée se produit dans le moment présent et chaque changement comporte un moment décisif. Souvent, il vous faut quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de vous pour vous aider à vous en rendre compte. Le Tao Te Ching renforce ce concept dans un vers qui est peut-être le plus célèbre de cette œuvre magistrale. Un voyage de mille lieues commence par un premier pas. Affirmation. J'ai une patience infinie quand vient le temps d'accomplir, de vivre ma destinée. 4. Ce sera un drame familial. Après avoir passé plusieurs années en tant que thérapeute familial, j'ai vu comment les gens craignaient la critique qui pourrait résulter d'un changement. Quand j'encourage un changement dans leur façon de penser, j'entends régulièrement des choses comme ⁇ J'adorerais essayer ce que vous suggérez, mais cela tuera mes parents ⁇ ou j'en ai entendu plus d'un admettre que ce serait une solution plus facile de voir leur partenaire mourir que d'effectuer des changements. Maintenant, permettez-moi d'être très clair ici. Je crois en la famille. Mais, et c'est un point critique, si vous voulez vivre une vie de votre choix, cela suppose incontestablement d'être prêt à supporter les coups et les flèches que vous pourriez recevoir quand vous répondrez à votre conviction profonde. Vous êtes un membre de la famille humaine. Vous ne possédez pas vos enfants et vous n'êtes pas une possession de vos parents. Il est important de reconnaître consciemment que vous êtes ici pour créer votre propre musique, mais que vous n'avez pas à mourir avec cette musique toujours en vous. Par expérience, je sais que j'obtiens beaucoup plus de respect que de reproches de ma famille chaque fois que je m'encourage à vivre la vie que je souhaite. Ne laissez pas la crainte des drames familiaux vous empêcher de changer des modèles de pensée dépassés, inutiles et non voulus. affirmation Je préfère être critiqué pour ce que je suis qu'aimé pour ce que je ne suis pas. 5 Je ne le mérite pas. Dans son livre Revolution from Within, la féministe Gloria Steinem a écrit que l'estime de soi n'est pas tout ce qui compte. C'est simplement que rien n'existe sans elle. Je crois que le manque d'estime de soi est sous-jacent à l'excuse. Je perçois ce manque dans des phrases comme Je ne le mérite pas. Rien ne semble fonctionner pour moi. J'ai beau essayer, mais il ne se produit rien de bon, je ne dois pas le mériter. Croire que vous n'êtes pas assez bon pour obtenir le bonheur, le succès et une santé en quantité illimitée est une invention colossale qui n'a rien à voir avec la vérité de votre vie d'aujourd'hui. Cette attitude vous garde dans un état de découragement avec une excuse bien intentionnée qui vous protégera des actions concrètes. Mais en réalité, cela ne vous protège pas, cela vous empêche plutôt de prendre conscience de votre mérite incontestable. En présence du moment présent, cette excuse n'a aucune place dans votre vie. Affirmation. Je suis une création divine, une part de Dieu. Par conséquent, il est impossible que je ne mérite rien. 6. Ce n'est pas dans ma nature. Les phrases s'insérant dans cette catégorie sont du genre ⁇ J'ai toujours été ainsi, je ne peux pas m'en empêcher. C'est dans ma nature, je dois donc l'accepter. ⁇ Puisque vous avez été ainsi tout le long de votre vie, voilà la raison parfaite pour vous encourager à favoriser des pensées comme J'en ai marre d'être effrayé, timide, pauvre, malheureux, manipulé, condescendant, gros ou en mauvaise forme. C'est tout ce que j'ai toujours connu et cela provient de ma façon de penser et des croyances que je suis arrivé à accepter comme définissant ma nature. Si c'est cela ma nature, alors je la changerai en commençant immédiatement. Neuf dixièmes de votre nature sont des choses qui ont été acquises et adoptées comme habitudes. Vous pouvez amadouer ces anciennes habitudes pour qu'elles descendent l'escalier, une marche à la fois. Affirmation. Ma nature essentielle est parfaite et sans faute. C'est à cette nature que je retourne. 7. Je ne peux me l'offrir. Il est rare qu'un jour se passe sans que j'entende une variation de cette excuse incluant ⁇ Je ne suis pas allé à l'université parce que c'était trop onéreux ⁇ je n'ai pas pu voyager parce que je n'ai jamais eu l'argent nécessaire, et je n'ai jamais pu m'engager en affaires parce que je devais garder ma situation pour payer les factures. Je dis que cette croyance est boiteuse et qu'il s'agit d'une dérobade, mais il semble y avoir un accord presque universel justifiant son existence. Chaque fois que vous vous découragez en pensant que votre situation financière empêche quoi que ce soit de se produire, c'est une excuse. Cependant, si vous décidez de reconnaître l'abondance dans votre conscience, vous modifiez les pensées telles que ⁇ je ne peux me payer ⁇ et vous obtenez ⁇ non seulement l'aide dont j'ai besoin pour me guider dans la bonne voie est-elle disponible, mais elle est aussi déjà en route. Encouragez-vous en reconnaissant que vous avez la capacité de créer en vous un espace rempli de paix et de joie. Soyez pleinement reconnaissant pour tout ce que vous possédez naturellement. Cela va bien au-delà du domaine de ce que vous pouvez vous offrir. Quelle que soit la perception que vous avez de votre Dharma, et peu importe la force de cet appel, si vous maintenez la croyance que vous ne pouvez pas vous sortir de votre situation, je vous assure que vous aurez raison. Affirmation. Je suis connecté à une source illimitée d'abondance. 8. Personne ne m'aidera. Comme cette excuse n'est absolument pas plausible, cela m'attriste vraiment de l'entendre. La vérité, c'est que, peu importe ce que vous aimeriez créer, le monde est rempli de gens qui sauteraient sur l'occasion pour vous aider. Mais, si vous vous accrochez à une fausse notion que personne ne sera là pour vous aider, vos expériences correspondront à cette croyance. Une fois que cette croyance commence à changer, vous verrez que l'aide apparaîtra, mais le mouvement initial se fait entièrement dans vos pensées. Ce processus commence par cette nouvelle croyance ⁇ Je peux obtenir de l'aide ⁇ Renforcez votre confiance grâce à cette remarque rédigée en novembre 1843 par Ralph Waldo Emerson. Dès que je perds confiance en moi, j'ai l'univers contre moi. Vous êtes l'univers. Vous provenez de ce monde invisible de l'esprit. Lorsque vous doutez de vous-même, vous doutez de l'intelligence universelle que vous êtes, et il semble que personne n'est là pour vous aider. Affirmation. Les bonnes circonstances et les bonnes personnes sont déjà là et se montreront en temps et lieu. 9. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Ne soyez pas esclave de votre propre passé, a écrit mon âme sœur littéraire Ralph Waldo Emerson dans son journal. Simplement parce que vous avez toujours été, d'une certaine façon, ce n'est pas une explication rationnelle pour votre situation présente, c'est en fait une excuse pour tenter d'expliquer ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Le passé est une trace que vous laissez derrière vous, un peu comme le sillage d'un hors-bord, c'est-à-dire que c'est un sillage qui apparaît temporairement pour vous montrer par où vous êtes passé. Le sillage d'un bateau n'influence pas sa route, il est évident que cela ne serait pas possible puisque le sillage n'apparaît que derrière le bateau. Considérez donc cette image lorsque vous vous exclamez que votre passé justifie votre incapacité d'avancer. Je n'ai jamais eu ce que je voulais avant et cela signifie que je ne l'aurai jamais. C'est ce qui se produit quand vous vivez dans le sillage que vous avez laissé derrière vous. Convaincu que votre passé explique pourquoi vous ne pouvez changer, vous vous y accrochez pour vous empêcher de penser différemment. Ouvrez-vous à des horizons qui vous procureront un nouveau moyen de vous trouver là où vous créerez sur le champ de la richesse, de la santé et du bonheur. Affirmation. Je suis prêt à attirer tout ce que je désire en commençant ici et maintenant. 10. Je ne suis pas assez fort. L'excuse je ne suis pas assez fort vous emprisonne indiscutablement dans une façon de penser habituelle. Des années passées à croire à votre faiblesse renforcent en fait la croyance que, vous êtes une personne qui n'est pas émotionnellement, spirituellement ou physiquement capable. Les idées que vous n'êtes pas assez fort pour accomplir un certain travail, résister à un harceleur ou un persécuteur, prendre soin de vous-même, affronter seul la vie ou voyager par vous-même, constituent toutes des virus de l'esprit qui se transforment en excuses toutes prêtes lorsque la vie devient difficile. Cela est aussi vrai sur une échelle collective. Débarrassez-vous de cette croyance qui vous dit que vous êtes trop faible. Devenez vigilant et actif et démontrez une nouvelle sorte de bravoure. Affirmez que vous vous libérez des habitudes de pensée qui vous ont convaincu que vous n'êtes pas une personne forte. Vous possédez toute la force de caractère, d'esprit et de corps pour vivre à un niveau de bonheur, de santé, de prospérité sans pareil. Affirmation. J'ai accès à une aide illimitée. Ma force vient de ma connexion à la source de l'existence. 11. Je ne suis pas assez intelligent. Votre vaste intelligence ne se mesure pas à l'aide d'un test de QI. Lorsque vous affirmez ⁇ Je n'ai jamais été assez intelligent ⁇ en réalité vous dites ⁇ J'ai adopté une définition de l'intelligence qui est mesurée par les critères que les membres de ma famille ou mes éducateurs m'ont présentés plus tôt dans ma vie. Si vous êtes prêt à investir votre passion et votre persévérance dans vos idées, vous rencontrerez la part de génie en vous. Pourquoi ne pas croire que les idées qui sont dans votre tête sont des sous-produits de votre génie plutôt que le résultat d'une intelligence limitée Quand vous avez confiance en vous, vous faites confiance à la sagesse qui vous a créé. Faites un effort conscient pour ne pas douter de cette sagesse originelle. Faites confiance à vos pensées profondes, surtout celles qui stimulent la passion. Et puis, mettez-les en pratique, comme si elles étaient incontestables. Affirmation. Je suis une création de l'esprit divin. Tout est parfait et je suis moi-même un génie. 12. Je suis trop âgé, ou pas assez. Très tôt dans la vie, vous avez hérité d'une liste exhaustive de mèmes au sujet de l'âge. Et à un moment donné, vous avez découvert qu'il n'était plus question de ne pas être assez âgé, mais plutôt d'être trop vieux. L'excuse de l'âge provient d'une tendance à vous identifier au nombre de trajectoires que vous avez faites autour du Soleil, plutôt qu'à votre aspect illimité qui vit indépendamment de l'âge de votre corps. Une partie de vous est dotée d'un esprit sans âge, et fait complètement abstraction du processus de vieillissement physique. Cet esprit est à votre disposition à condition que vous l'encouragiez en l'invitant consciemment à participer à votre vie. Vous avez l'âge que vous avez. Point. Pourtant, les pensées qui tourbillonnent à l'intérieur et à l'extérieur de votre tête n'ont pas d'âge. Elles n'ont pas de forme, pas de limite. Ici, en ce moment même, vous avez l'âge parfait et votre corps ne peut avoir un âge autre que celui qu'il a. Identifiez-vous à ce que Lao se appelle le royaume subtil ou le domaine invisible de l'esprit en adoptant des pensées comme celle-ci. Je suis sans âge et je peux entraîner mon corps pour qu'il me suive dans la réalisation de tout ce que je peux concevoir dans mon esprit. Mon esprit est libre et je peux le former pour qu'il suive mes désirs plutôt qu'acquiescer à un modèle d'excuse. Affirmation Je suis un être infini. L'âge de mon corps n'a aucun rapport avec ce que je fais ou qui je suis. 13 Ça va à l'encontre des règles. La plus célèbre des observations de Henry David Thoreau se trouve sans doute dans la conclusion de Walden désobéissance civile. Si un homme ne marche pas au rythme de ses compagnons, c'est peut-être qu'il entend le son d'un autre tambour. Thoreau parle de l'improbabilité de toujours pouvoir marcher au même rythme que tout le monde. À certains moments de votre vie, vous devez plutôt écouter le rythme des règles qui vibrent à l'intérieur de vous et seulement vous. Mais peut-être êtes vous accroché à une croyance qui veut que les règles de la société sont si sacro saintes, qu'y faire une entorse serait franchir une ligne que vous, ou quiconque, ne devriez jamais dépasser. Je ne plaide pas en faveur de transgresser les lois sous le seul prétexte de la non-conformité, mais je vous encourage vivement à abandonner le comportement habituel qui exige de suivre les règles et d'obéir à des lois lorsque cela vous empêche de réaliser votre destinée. Plusieurs règlements sont simplement créés autour du mot devrais. Tu devrais Faire les choses comme nous les avons toujours faites dans cette famille. Tu devrais rester tranquille et agir comme on te dit de le faire. Tu devrais suivre les conseils des experts plutôt que d'exprimer une opinion différente. Tous ces devrais sont destinés à vous empêcher d'entendre un certain battement de tambour qui, si vous continuez à l'ignorer, peut vous entraîner vers de désastreux résultats. Voyez-vous, votre subconscient est peut-être tellement programmé qu'il permet à tous ces mêmes, ces virus de l'esprit, de vous dicter vos opinions dans la vie. Certains des actes les plus haineux de l'histoire de l'humanité ont été réalisés sous l'égide des lois et des règles, et plusieurs croyances et opinions ne sont que des excuses protégées par des règles ou des lois. Écoutez votre propre cœur et respectez les lois qui correspondent à ce que vous considérez être le plus important. Souscrivez aux ordres qui vous encouragent, vous et les autres, à être tout ce que vous pouvez devenir sans interférer d'aucune façon, et pour qui que ce soit, avec nos droits divins innés. Affirmation Je vis ma vie selon les règles divines. 14. C'est trop gros. L'excuse C'est trop gros est tellement lourde qu'elle semble appesantir les gens en les immobilisant complètement. Et étrangement, il est possible que cette croyance ne demande qu'à être inversée. Par exemple, si vous croyez que les gens réussissent parce qu'ils voient grand, je suis ici pour vous dire que le succès exige de penser petit. Soyez conscient de cette assertion et vous aurez accédé à la capacité de penser petit et d'agir sur ce qui, auparavant, vous semblait être des questions importantes. Certaines de ces questions incluent Être obèse, essayer de se défaire d'une dépendance à des substances légales ou illégales, avoir une image de soi non souhaitée, obtenir votre doctorat, construire votre nouvelle maison, sortir des dettes, Rétablir votre relation avec votre mère ou devenir plus autonome Le verset 63 du Tao explique clairement et doucement ce dont je parle. Abordez les difficultés pendant qu'elles sont encore simples. Entreprenez de grandes choses pendant qu'elles sont encore petites le sage ne s'attaque à rien de vraiment grand, et par là, il atteint la grandeur. Ces mots peuvent sembler paradoxaux, mais ils forment la réponse incontestable à cette excuse en particulier. Vous ne pouvez cesser de boire de l'alcool ou de fumer des cigarettes pour les prochaines dix années, mais vous pouvez échapper à votre dépendance aujourd'hui ou même pendant une période plus courte tel qu'en ce moment. Cela, il vous est possible de le faire. Et c'est précisément de cette façon que les habitudes de pensée se modifient, en pensant et en agissant petit dans le moment présent. Avec cette nouvelle conscience, vous pouvez commencer à penser en termes qui vous encouragent à éliminer les excuses et à vous élever vers le succès. affirmation. Je pense seulement à ce que je peux faire maintenant. En pensant petit, j'accomplis des choses extraordinaires. 15. Je n'ai pas l'énergie nécessaire. Ne pas avoir la vitalité nécessaire pour remplir votre objectif de vie fait partie d'une réponse apprise. Je suis fatigué, je suis épuisé, je suis exténué, et je suis si là ne sont que quelques-unes des variétés des virus de l'esprit qui vous ont infecté, consciemment ou pas. Nous nous servons de l'excuse ⁇ Je n'ai pas d'énergie comme raison pour rester inerte et pitoyable ⁇ L'antidote à ce comportement, c'est de trouver des pensées énergétiques. La vitalité, est en fait une façon de penser. Vous pouvez apprendre à vaincre l'ennui des pensées de basse énergie en les remplaçant par une façon de voir le monde, vous permettant des sentiments positifs et épanouissants. Refusez de vous adonner à des activités mentales de basse énergie. Dirigez votre conscience d'énergie supérieure vers ce que vous voulez accomplir et regardez-la filtrer à travers tous ceux avec qui vous communiquez. La haute énergie est contagieuse et elle tire son origine d'une pensée vitale qui remplace les anciens virus de l'esprit. Affirmation Je ressens de la passion pour ma vie et cette passion me remplit d'excitation et d'énergie. 16. C'est mon histoire familiale personnelle. Vous avez toujours eu une place dans votre famille, et sans égard à votre opinion sur ce sujet, il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer ce fait. En fait, n'importe quelle combinaison tirée d'une liste sans fin de facteurs décrivant votre situation, tout cela se situe dans le passé et est terminé. Vos parents ont fait ce qu'ils ont fait selon les circonstances de leur vie, reconnaissez ce fait, et puis... Avancez dans les moments présents de la vie. Voyez votre histoire familiale comme une bénédiction. Oui, une bénédiction. C'est précisément ce par quoi vous deviez passer pour arriver où vous êtes aujourd'hui. La façon dont vous avez été traité ou même maltraité vous a donné l'occasion d'être une personne plus forte, plus autonome. Les expériences précoces ne sont pas conçues pour que l'on puisse se camoufler derrière elles quand la vie ne fonctionne pas comme vous le voulez. Ce ne sont pas des raisons pour vous immobiliser. Mais l'excuse de l'histoire familiale a de nombreux partisans. Donc vous ne serez pas seul si vous vous en servez pour vous expliquer à vous-même et aux autres pourquoi vous n'êtes pas ce que vous voulez être aujourd'hui. Vous pouvez transformer tout ceci en vous rappelant que vous possédez le pouvoir absolu d'apporter une autre dimension à votre attitude et à vos croyances. Peu importe à quel point elles ont pu être traumatisantes ou pénibles à l'époque, prenez consciemment le temps d'imaginer de nouveau les expériences familiales que vous avez vécues pendant les premières années de votre vie. Quand vous étiez enfant, vous étiez incapable de faire la paix avec ces expériences. Mais maintenant, vous le pouvez. Éprouvez de la reconnaissance pour ces parties en vous qui ont survécu et qui veulent toujours grandir. Encouragez-les en refusant de choisir les excuses de la dérobade. Les excuses, ça suffit, vous encourage à faire la paix avec tout ce qui s'est passé dans votre vie, incluant les expériences douloureuses de mauvais traitements, d'abandon et de manque de respect. En vous accrochant à ces habitudes de pensée défaitistes, vous desservez votre cause qui peut avoir de grands impacts. Vous serez de plus en plus faible et de plus en plus malade. Vous demeurerez enlisé dans le passé. Vous disposez aujourd'hui de l'incontestable capacité d'apporter une plus grande dimension à votre conscience et d'employer les moyens nécessaires pour vous débarrasser de votre timidité et pour attirer les gens que vous souhaitez. N'oubliez pas que votre vie se produit maintenant, dans le moment présent. Affirmation Je vis dans le moment présent en étant reconnaissant pour toutes les expériences de vie de mon enfance. 17. Je suis trop occupé Si votre horaire est trop chargé, sachez que c'est vous qui avez choisi cette situation. Toutes les activités de votre vie, incluant celles qui occupent d'importantes portions de votre temps, résultent de vos propres choix. Si vos responsabilités familiales sont problématiques, c'est que vous avez choisi de donner priorité à cet aspect de votre vie. Si votre agenda est plein à craquer, c'est que vous avez décidé de vivre avec un horaire chargé. S'il y a beaucoup trop de petits détails que vous êtes seul à pouvoir traiter, alors ceci, encore une fois, est votre choix personnel. Assurément, L'un des plus importants objectifs de la vie, c'est d'être heureux. Si vous êtes trop occupé pour être heureux, c'est une excuse dont vous vous servez. Vous avez choisi d'être occupé et dans ce processus, vous avez esquivé le fait de vivre votre vie délibérément. Si vous avez remplacé l'accomplissement actif et heureux de votre destinée par une situation où vous êtes continuellement occupé, vous devez réexaminer vos priorités. Voici ce que dit mon mentor, Thoreau, sur les priorités qui n'ont pas été réexaminées. Presque tous les hommes ou femmes s'absorbent dans leurs affaires, leur vie durant, parce que l'âme a horreur du vide et qu'ils n'ont pas su découvrir un emploi digne d'occuper leurs facultés supérieures. Ne laissez pas votre âme languir dans le vide, dans un état d'insatisfaction. Commencez plutôt à examiner comment vous déterminez les priorités de votre vie. Tous les détails qui l'occupent vous empêchent de vivre un destin qui, vous en êtes conscient, veut votre attention. J'ai appris cette précieuse technique du grand Bodhisattva spirituel vietnamien Thich Nhat Hanh dans son livre la sérénité de l'instant. Récitez ces deux lignes chaque fois que vous pouvez voler quelques minutes à votre horaire quotidien. Je respire, je calme mon corps, j'expire, je souris. Réciter cette phrase est un peu comme boire un verre de limonade froide pendant une journée chaude et déposer un sourire sur votre visage signifie que vous êtes maître de vous-même. Ce simple exercice vous aide à prioriser votre vie en vous permettant d'acquérir un sentiment de paix. Ensuite, vous pouvez évaluer ce qu'il vous faut faire exactement pour vous débarrasser de l'excuse d'être trop occupé. Affirmation. À mesure que je désencombre ma vie, je me libère pour répondre aux appels de mon âme. 18. J'ai trop peur. Une façon de se sortir du schéma de pensée ⁇ J'ai trop peur ⁇ est offerte dans un courant miracle. Tout ce qui est amour ne peut être peur. Et tout ce qui est peur ne peut pas être amour. Si nous pouvons trouver un moyen qui nous est propre de demeurer dans un environnement d'amour, il est alors impossible d'avoir peur. Je crois que la peur est un virus de l'esprit qui insiste pour que vous soyez une réussite ou bien un échec. Cette perception se transmet d'un esprit à un autre, jusqu'à ce qu'elles deviennent une habitude. Vous avez des pensées qui vous effraient, et ensuite vous vous servez des mêmes pensées pour expliquer les déficiences de votre vie. Vous agissez comme si elles étaient réelles, quand en fait elles ne sont rien de plus que des excuses. Pensons au fameux refrain du premier discours inaugural de Franklin Roosevelt. La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même. Ces hommes du Tao avaient raison, il n'y a rien à craindre vraiment. Comme le dit le dicton, la peur a frappé à la porte, l'amour a répondu, et il n'y avait personne. Deuxième partie. Les principes clés. Le premier principe. La conscience. Souvent, des pensées de longue date, coulées dans le béton, vous gardent coincés, sans même réaliser que vous êtes coincés, étant donné que ce type d'activité mentale ne peut pas vous conduire dans une nouvelle direction, en être conscient, constitue la première étape pour vous débarrasser pour toujours de vos excuses. La personne que vous êtes vraiment est originaire d'un univers sans forme et invisible. C'est l'esprit qui donne la vie, et c'est à l'esprit que retourne toute vie. Il reste ici bien peu de place pour l'ego, étant donné qu'il s'accroche à la fausse croyance que vous êtes vos possessions et vos réalisations. Lorsque la conscience constitue votre réalité, il ne vous est pas nécessaire d'expliquer vos défauts ou les occasions manquées, vous transcendez plutôt l'attraction de l'ego et vous vous déplacez dans une dimension tout à fait nouvelle de conscience supérieure. Pour parler simplement, si vous ne prenez pas conscience que vous êtes emprisonné dans vos anciennes habitudes de pensée, alors ces habitudes prévaudront et persisteront. Des excuses à la conscience. Briser les vieilles habitudes exige que vous preniez conscience que vous créez des obstacles dans votre vie qui deviennent des excuses pour ces soi-disant limitations. Ainsi, en reconnaissant l'habitude que vous avez de fabriquer des excuses, vous pouvez remarquer le bavardage de votre ego et vous découvrez votre capacité de vaincre des habitudes établies depuis longtemps. Vous commencez alors à réaliser tout ce que la fabrication d'excuses vous a empêché de voir. La conscience vous conduit à votre moi supérieur, l'ego vous conduit à votre moi limité par le physique. Lorsque vous laissez le divin croître en vous, la conscience sera ce que vous apportez dans tous les aspects de votre vie. Comme on a déjà dit à un dévot hindou, la fleur s'évanouit par elle-même à mesure que le fruit croît, ainsi votre moi inférieur s'estompera à mesure que le divin croîtra en vous. Ceci implique la sincérité, l'entraide, la bonté et le respect de tout ce qui vit. Faire l'effort d'être conscient encourage les pensées authentiques à grandir et à apparaître dans votre univers intérieur. Pendant que je lisais La biologie des croyances, j'ai été attiré par la notion suivante. La perception contrôle les gènes. Cette lecture soulevait en moi un nouvel élément, l'idée que ma façon de penser et ma perception du monde peuvent contrôler mon ADN et mon héritage génétique. Ceci signifie que je peux réorganiser mes circuits internes et traiter les problèmes physiques ou de santé avec une perspective entièrement nouvelle. Mon niveau de conscience est donc devenu de plus en plus sensible au fait que mon esprit a du pouvoir sur mon environnement. Et cela signifie que lorsque mon corps est déphasé, c'est dû au fait que mes croyances sont déphasées. Depuis que j'ai commencé ma recherche pour ce livre, j'ai acquis un nouvel état mental. En fait, j'approche maintenant tout ce qui concerne mon corps avec une nouvelle conscience. Plutôt que de me tourner vers les moyens que j'utilisais auparavant pour traiter les signes précoces d'une maladie physique, dorénavant, je me positionne à un niveau qui me permet de suspendre mentalement mon égo et même mon corps. Et puis je me dis quelque chose qui ressemble à ceci. Mes perceptions, croyances, contrôlent mon environnement. Mon corps qui est l'environnement de toute maladie. Ma structure génétique et mon ADN. Par rapport au passé, j'ai maintenant le pouvoir de percevoir cette situation d'une manière différente. J'ai en moi le pouvoir de créer un environnement intérieur qui n'est pas susceptible à la maladie. Quand je sais que j'ai le choix d'être conscient, je suis capable d'éloigner un épisode possiblement douloureux. La clé, c'est que, plutôt que d'utiliser la même vieille approche dominée par l'ego, il faut être conscient que la conscience elle-même est disponible. La conscience de la conscience doit être très puissante, car elle doit me mettre immédiatement en contact avec une dimension de moi-même qui sait, ici, dans la conscience, tout est possible et cela comprend tout, incluant la capacité de me réaligner avec la source et de familiariser mes gènes à un nouvel ensemble de croyants. La lecture et le traitement de ces idées scientifiques de pointe m'ont poussé à devenir plus conscient. Mais c'est parce que j'étais prêt à travailler, à appliquer ma conscience là où auparavant seules les vieilles habitudes de pensée résidaient, que j'ai pu connaître cet autre niveau où j'ai l'impression d'être toujours accompagné par un ami omniscient. Cet ami, c'est la conscience. Depuis que j'ai refait les circuits de mes pensées pour influencer mon corps et même mon ADN, ma réalité s'est transformée de façon significative. Chaque fois que je remarque un mauvais fonctionnement corporel, je deviens conscient, sans tomber dans les pensées de l'ego sur la douleur, la, la perturbation, le désagrément ou sur la création d'autres barrières mentales, les symptômes se déplacent à travers mon organisme qui est dans un état de conscience supérieure. Être plus conscient m'entraîne à penser tout à fait différemment et sans égo, et à plusieurs occasions, cela m'a instantanément placé dans un état de guérison. Les nombreuses voies de la conscience la conscience ne provient pas exclusivement de votre intellect. En d'autres mots, mémoriser les composantes de la conscience ne remplacera jamais l'expérience que vous pouvez vivre. Vous pouvez vous motiver en observant les choses que vous ressentez dans votre corps physique et là où ça se passe. C'est l'étape initiale vers la réalisation de la conscience dont parle Lao Tzu. Les techniques mystiques qui permettent de réaliser l'immortalité ne sont révélées qu'à ceux qui ont dissous tous les liens avec le grossier monde matériel de la dualité, du conflit et du dogme. L'excitation de vivre dans cette perspective va au-delà de tout ce que je peux décrire. Cela me rappelle que j'existe dans un lieu où tout est possible. Et j'applique cette conscience à toutes mes anciennes habitudes de pensée. Sachez que vous êtes une âme avec un corps plutôt que l'inverse, et comprenez que cette connaissance constitue votre faire-part pour modifier les croyances qui vous tiennent emprisonnés dans ce que Lao Tzu appelle vos ambitions matérielles superficielles. La conscience vous rappellera de ce que vous êtes capable de devenir. Tout ce dont vous avez besoin apparaîtra quand vous agirez avec vigilance pour remplacer les anciennes habitudes de pensée. Ces jours-ci, les mots possibilités infinies clignotent presque constamment sur mon écran intérieur. Être plus conscient me permet de percevoir les possibilités plutôt que les difficultés, de me sentir connecté à la source de mon être. Je ressens un fulgurant élan d'excitation quand je songe que je ne me sers plus des excuses éculées qui m'avaient été transmises par ma famille, mes études, ma religion, etc. Les messages se ressemblaient tous. Voici vos limites, voici ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. C'est le vrai monde de la compétition, de la douleur, de la violence, de la peur et de la haine, et ainsi de suite. Lorsque vous devenez conscient, vous cessez d'être une victime des innombrables virus de l'esprit qui semblent vous empêcher de vous réaliser complètement. Vous prenez heureusement conscience que les mêmes, les gènes ou toute autre chose dans ce monde matériel n'ont pas une maîtrise absolue sur vous et ce que vous pouvez devenir est illimité. Votre première réponse à toute situation de vie difficile ne fait plus partie des dix-huit catégories d'excuses. Vous vous déplacez plutôt vers votre conscience de la conscience et vous vous dites Attends une minute, il y a quelque chose au-delà de ce que je suis en train de remarquer, et je vais d'abord y accéder. Suggestion pour mettre en œuvre une conscience de la conscience. Développer une mentalité qui reste ouverte à toutes les possibilités. Utilisez la conscience comme instrument principal pour combattre les habitudes de pensée que vous conservez depuis longtemps. Comme je l'ai dit tout le long de ce chapitre, avec cette nouvelle approche, tout est possible et ceci n'exclut rien. Pratiquez la prise de conscience selon votre propre rythme, à votre façon dans votre vie quotidienne. Répétez cette affirmation continuellement et déplacez-vous de votre esprit subconscient habituel jusqu'au centre de votre esprit conscient. J'abandonne mes anciennes façons de penser et j'accède à la conscience. Lorsque vous sentez que vous vous apprêtez à employer une excuse, prenez conscience que vous n'en avez plus besoin. Prenez simplement conscience de cette nouvelle conscience. Le deuxième principe, l'alignement. L'alignement est une vérité fondamentale qui joue pour vous le rôle de code personnel et qui vous donne la clé du mystère de la manifestation de toute chose dans votre vie. Vous pouvez apprendre à réajuster votre façon de penser afin qu'elle s'aligne avec votre, votre nature essentielle et qu'elle vous permette de vivre en harmonie avec l'énergie de la source. Cette symétrie permettra à tout ce que vous aimez de venir vers vous. Restez aligné sur la source et prenez plaisir à explorer cette vie d'où vous avez banni les excuses. Il vous est possible de commencer à pratiquer l'alignement dès maintenant. Notez d'abord vos pensées et portez une attention particulière à celles qui, par habitude, sont mal alignées. Il vous suffit ensuite d'implanter une façon de penser différente pour remplacer l'ancienne habitude. Lorsque vous modifiez votre façon de penser dans le but de vous aligner avec la conscience de votre nature essentielle, il est en fait possible de mesurer l'énergie produite. Il existe un champ d'énergie invisible d'où provient toute chose. En étant plus conscient, vous pourrez vous réaligner sur la fréquence vibratoire de ce champ d'énergie et accéder à ce que je nomme la guidance divine. Pourquoi Parce qu'à cause de ce qui semble être une loi de l'univers, deux fréquences qui se ressemblent sont attirées l'une vers l'autre, et celles qui ne se ressemblent pas ne se reconnaissent même pas l'une l'autre. En demeurant vigilant et en surveillant continuellement toutes vos pensées, vous remarquerez le type de fréquence que vous transmettez et celui que vous recevez. Lorsque vous percevez qu'une pensée n'est pas alignée, vous pouvez la corriger. Ainsi, vous activez la guidance divine parce que vous pensez maintenant sur la même fréquence que la source d'énergie. Comme l'a dit Lao Tse, il y a environ 2500 ans. Renoncez à croire que vous êtes séparé de l'esprit universel omniscient. Vous serez alors en mesure de recouvrer votre perspicacité originelle et pure et vous parviendrez à reconnaître toutes les illusions. Le souffle du Tao s'exprime et ceux qui vivent en harmonie avec lui l'entendent très clairement. Si vous pouviez mesurer une telle chose, vous verriez que l'énergie de la source est un mécanisme invisible, créateur, abondant, aimant, joyeux, impartial, et pour lequel tout est possible. Il donne toujours et sert toujours, et cela toujours à partir des réserves infinies. Les excuses sont toutes des défauts d'alignement. Examinez ce que vous disent les dix-huit excuses que j'ai dépeintes précédemment. Des mots comme difficile, risqué, je ne peux pas, pas assez fort, pas assez intelligent, trop gros et trop compliqué, vous dispensent d'être la personne que vous aimeriez être et que vous étiez destiné à devenir. Prenez un moment. Et examinez la façon dont l'énergie de la source semble fonctionner. Vous semble-t-il possible que Dieu ou l'Esprit divin pense des choses comme ⁇ C'est impossible à faire ?⁇ Bien sûr que non. La logique me semble tout à fait limpide. Harmonisez-vous avec l'énergie qui peut faire tout et n'importe quoi, car c'est ainsi qu'est votre nature originelle. Les excuses sont des preuves que vous avez laissé tomber une manière de penser toute puissante pour la remplacer par une autre qui vous limite. En d'autres mots, il est impératif que vos pensées soient alignées sur l'idée que toute chose est possible. Comme Maître Eckart l'a écrit au XIIIe siècle, tout ce que Dieu veut de nous, c'est que nous sortions de nous-mêmes et que nous permettions à Dieu d'être Dieu en nous. Alors, permettez à l'énergie de la source d'être l'énergie de la source en vous, car dans cette énergie, les excuses n'existent pas. Elle dit simplement que vous êtes amour et que vous êtes aimé, et que tout ce qu'il vous reste à faire pour que cela soit, c'est d'être une correspondance vibratoire à l'amour vous verrez que vos désirs commenceront immédiatement à se manifester. L'alignement est la conscience en action. Le mot alignement évoque l'action qui, littéralement, modifie les anciennes pensées habituelles pour les faire correspondre à votre conscience ou à un changement de comportement afin que vous puissiez penser et agir tel un être qui se réalise en Dieu. Lorsque vous êtes aligné, vos pensées se concentrent sur ce que vous avez l'intention de manifester en tant que co-créateur de la source. La meilleure façon de commencer à exercer votre esprit de nouveau, c'est de penser consciemment, de façon alignée. Je soutiens non seulement que l'univers vous fournit ce que vous concevez, mais aussi qu'il doit le faire. Donc, si vous vous plaignez de ce qui vous manque dans la vie, incluant l'argent dont vous croyez manquer, vous vivrez des expériences qui correspondent à cette énergie. Quand vous dites J'aime mon travail, mais il ne me rendra jamais riche, vous vous alignez sur une fréquence qui vous donnera ce à quoi vous pensez. En me concentrant sur ce que j'ai l'intention de créer, en croyant que l'univers nous procure tout et en sachant que je mérite la bienveillance illimitée de la source d'être, j'attire la prospérité vers moi. Et en ne m'attachant pas à ce qui se manifeste, ce qui veut dire que je n'éprouve aucun désir d'acquérir de plus en plus de possessions, je peux facilement lâcher prise. L'accent sur le besoin de toujours avoir plus inclut l'idée de pénurie, de manque et de je n'en ai pas assez. En conséquence, lorsque vous pensez plus, vous émettez une correspondance vibratoire qui vous apporte l'expérience de plus de pénurie dans votre vie, que ça vous plaise ou non. Demeurez dans un état de gratitude. Concentrez-vous sur ce que vous possédez et sur votre reconnaissance pour tout ce qui s'est manifesté dans votre vie. Pensez à l'alignement de façon continuelle. La personne que vous êtes vraiment est une conscience supérieure à votre forme terrestre. Cette simple idée que vous n'êtes pas un moi fondé sur l'ego, mais plutôt une énergie divine sous forme physique, vous aidera à réajuster votre énergie. Une fois que vous aurez reconnu le divin en vous, vous délaisserez les modèles de pensée désalignés. Notez que la force de l'énergie non physique circule partout. Elle habite en vous, mais elle habite aussi en chaque arbre, fleur, insecte, planète et en tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. L'énergie non physique est une unité positive pure de laquelle seules vos pensées peuvent se déconnecter ou se désaligner elle est toujours en train de créer, d'aimer et d'animer la vie. La seule chose qui l'empêche de travailler pour vous, c'est lorsque vous croyez qu'elle est incapable de le faire, qu'elle ne le fera pas ou qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. En d'autres mots, vos excuses. Le fait de reconnaître l'alignement de vos pensées est une valeur inestimable qui se manifestera rapidement dans votre conscience. Vous pouvez faire appel à l'énergie de la source chaque fois que vous glissez dans un désalignement. Retournez tout simplement aux possibilités, aux manifestations et à votre propre sentiment de bien-être qui n'est qu'une autre façon de ressentir la présence de Dieu. Répétez silencieusement ce qui suit. J'obtiendrai ce que je pense obtenir, et à partir de maintenant, je choisis de penser en harmonie avec ma source d'être jusqu'à ce que cet état devienne une habitude. Apprenez à vous interrompre lorsque vous vous engagez dans une habitude de pensée négative. Surveillez toute pensée qui exprime C'est impossible, ça n'arrivera pas ou je n'ai pas cette chance et Modifier-la en une pensée alignée comme cela va se produire, cela doit se produire ou c'est déjà là et je sais que cela se produira au moment choisi par Dieu. Changer ces pensées désalignées, excuse, une minute, une heure, un jour à la fois. Le troisième principe, le moment présent. Vous l'avez entendu plusieurs fois, si souvent en fait que c'est devenu un cliché. Vivez dans le présent. Tout ce qui est important, c'est aujourd'hui. Même s'il s'agit de refrains familiers, ce peut être facile à dire, mais c'est une chose qui est très difficile à exécuter jour après jour. La véritable question, ce n'est pas de savoir comment vivre dans le présent, c'est comment utiliser le présent tout en étant conscient, plutôt que de perdre ce temps en réflexion sur le passé ou en inquiétude au sujet de l'avenir. En examinant attentivement les dix-huit catégories d'excuses, vous découvrirez qu'aucune d'entre elles ne s'applique si vous maîtrisez l'art d'être conscient dans le moment présent. En fait, les excuses ne sont rien d'autre que ce que vous avez développé pour expliquer les moments présents qui sont emmêlés au passé ou à l'avenir. Lorsque vous vivez vraiment dans la merveilleuse conscience du présent, vous n'avez aucun désir d'altérer ce qui est. Lorsque vos phrases expriment que ce sera difficile, ça prendra beaucoup de temps, je suis trop âgé, vous gaspillez un moment présent avec des excuses. Si vous vous immergiez dans le moment présent, plutôt que d'être en train de, de remanier vos excuses, vous seriez en train d'expérimenter votre propre version de la béatitude et de la guérison. Lorsque vous vivez dans le présent, une acceptation totale de ce qui est ici est essentielle. De cette façon, l'esprit ne se promène pas vers ce qui avait l'habitude d'être, ce qui devait être, ou ce qui manque. Et vous n'évoquez pas d'excuses. Vous êtes ainsi plus conscient de faire l'expérience de votre moi supérieur. En demeurant dans le présent et dans un état de gratitude pour tout ce qui existe et pour tout ce que vous êtes, vous apprivoisez l'ego et vous entrez dans un état où il est même impossible d'envisager des excuses. Lorsque l'ego est en charge, Presque chaque pensée sert à fabriquer une excuse, se concentrant sur ce qui a toujours été ou sur ce que vous craignez qu'il soit toujours. Mais, quand vous vous liez d'amitié avec le moment présent, vous dites adieu à cet égo gênant. Faites du présent votre allié. Souvent l'ego voit le présent comme un simple moyen de parvenir à une fin, quelque chose il faut supporter pour arriver à un point futur. Ceci signifie de ne jamais parvenir à vivre complètement dans le moment présent, puisque vous utilisez ce temps pour anticiper où vous serez à l'avenir. Mais ce processus particulier a une allure bien différente dans les excuses, ça suffit. Plutôt que de gaspiller votre temps à vous embêter parce qu'il y a tellement de planifications à faire pour l'avenir, Arrêtez-vous et rappelez-vous d'être ici maintenant. Notre relation au moment présent définit notre relation à la vie elle-même. Le message transmis dans le paradigme de ce livre, c'est qu'en demeurant dans le présent, vous triompherez de toutes les explications que vous utilisez comme raison pour ne pas vivre à votre plus haut niveau. Si votre tête est remplie de pensées exprimant la frustration et la colère concernant ce qui n'arrive pas ou concernant votre perception du monde, vous n'aurez pas une très bonne relation avec la vie. Pourtant, une relation dysfonctionnelle avec la vie n'est vraiment rien de plus qu'une relation dysfonctionnelle avec le moment présent. Plutôt que de voir le moment présent comme un obstacle, considérez-le comme le miracle suprême. Se débarrasser du jugement. J'ai découvert que je réussis beaucoup mieux à être complètement présent lorsque j'évite tout jugement sur ce que je suis en train de vivre, c'est-à-dire qu'il m'est beaucoup plus utile de m'arrêter pour comprendre ce que je ressens que de me concentrer sur la raison pour laquelle les choses ne sont ne sont pas telles que je crois qu'elles devraient être. On appelle cela permettre plutôt que résister à ce qui est. Même si je souhaite transformer un moment, il est beaucoup plus utile de le permettre sans porter le jugement. Je me libère des opinions et je me contente d'être tout simplement. En ces moments, je n'ai pas besoin d'excuses pour quoi que ce soit. Vous pouvez vous servir de cette sorte de non-jugement. Pour pratiquer une nouvelle identité, où les explications sont inutiles Une immersion totale dans le présent sans jugement, c'est-à-dire en vous permettant simplement d'être, est un moyen extraordinaire de vous débarrasser de ces habitudes de pensée cultivées depuis longtemps que je nomme excuses. Si vous recevez une information perturbante, posez-vous la question. Comment est-ce que je me sens dans le moment présent au lieu de ⁇ Comment est-ce que je me sentirais plus tard ?⁇ ou ⁇ Comment est-ce que je me sentais alors ?⁇ En vous donnant un léger rappel au moment même de votre inconfort, vous vous ramenez à ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Observez comment votre inconfort disparaît lorsque vous revenez au moment présent. Continuez à vous entraîner à revenir ici et maintenant. Et rappelez-vous qu'il s'agit de votre relation à la vie. Chaque journée de votre vie est remplie de moments présents de valeur infinie. Répétez cette affirmation. Je choisis de demeurer totalement conscient dans le moment présent, et c'est le seul endroit où j'arriverai à connaître Dieu. Le quatrième principe la contemplation. La découverte de quelque chose de nouveau implique le concept essentiel de la contemplation, activité mentale qui précède toute invention, toute création. Il est important que vous compreniez que vous pouvez créer la vie que vous désirez en vous concentrant sur ce que vous souhaitez attirer. Une fois que vous maîtrisez les idées entourant ce concept, vous ne voudrez pas utiliser votre esprit pour fabriquer des excuses. Vous préférerez plutôt vous en servir pour considérer à fond ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie pour ensuite le visualiser comme étant en train de se réaliser. Contemplation et attraction Les excuses dont vous avez tendance à dépendre inclut probablement certaines idées que vous avez contemplées durant toute votre vie jusqu'à ce jour. Oui, le simple fait de penser ce sera difficile, je ne peux me l'offrir ou je ne le mérite pas, est de s'engager dans ce qu'Aristote a appelé la forme la plus élevée d'activité. Plus vous réfléchissez à l'impossibilité de voir vos désirs se réaliser, plus vous vous plaignez de l'injustice de la vie, plus vous êtes contrarié face à ce qui continue de se manifester et plus ces perceptions définissent votre réalité. Cela se produit ainsi car, quelle que soit la chose sur laquelle vous vous concentrez, elle apparaît invariablement dans votre vie, qu'il s'agisse de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas. Donc, si vous pensez toujours à ce qui ne va pas dans votre vie ou si vous en parlez continuellement, alors vous attirerez exactement ce que vous ne souhaitez pas. La mécanique de la contemplation Pour comprendre le pouvoir de la contemplation, vous devez vous efforcer de concevoir la loi de votre être comme une loi qui vous permet d'utiliser votre processus de la pensée pour demeurer aligné avec l'énergie de l'esprit ou de la source. La seule exigence, c'est que vous n'écartiez pas votre nature spirituelle pour la remplacer par un faux moi qui ne peut que contempler à partir d'une position d'excuse. Les mécaniques de contemplation se résument de la façon suivante. La contemplation est l'utilisation continuelle de votre processus de la pensée. Vos pensées agissent en fait comme des éléments qui entament le processus de matérialisation. Si vous contemplez en vous servant de pensées qui correspondent à l'esprit d'origine, vous êtes doté du même pouvoir que l'esprit d'origine. Vous obtenez donc la collaboration de l'esprit divin en attirant et comblant vos désirs. La contemplation et par conséquent, une sorte d'action en soi qui met en mouvement toutes les forces créatives de l'univers. S'il y a présence d'excuses dans votre vie, c'est la preuve que vous vous concentrez sur ce que vous ne pouvez accomplir ou posséder. Pour vous débarrasser des excuses, vous devez apprendre à contempler ce que vous avez l'intention de manifester et, simultanément, il vous faut apprendre à vous détacher du résultat. Contemplez, comme Dieu le fait, en utilisant des pensées du genre, comment puis-je servir plutôt que, qu'est-ce que ça va me donner de faire ça Lorsque vous voyez ce que vous contemplez comme étant déjà là, l'univers finira par vous offrir des expériences qui correspondront à ce que vous contemplez. Votre esprit passe son temps à contempler quelque chose retournant de tous côtés continuellement une chose ou l'autre. Faites l'essai de quelque chose qui ressemble à ceci. Le pouvoir créateur et intelligent se manifeste aussi parfaitement que l'univers. Je suis un résultat de ce pouvoir, je me sens connecté à lui et je sais qu'il travaillera avec moi pour créer la vie que je souhaite. La contemplation est action. C'est un entraînement nécessaire pour l'esprit afin d'implanter tout ce que vous désirez. Répétez le mantra suivant pendant un minimum de cinq minutes de suite par jour. Je contemple ma personne entourée des conditions que je souhaite attirer dans ma vie. Je contemple ma personne entourée des conditions que je souhaite attirer dans ma vie. Le cinquième principe, la volonté. Si vous êtes prêt à être habité par lui, vous le verrez partout, même dans les choses les plus ordinaires. La haute ceux. L'expression être prêt décrit un concept assez important. Peut-être songerez-vous immédiatement Bien sûr que je suis prêt à le faire, je suis prêt à penser ou à faire n'importe quoi pour vivre une vie de succès, de bonheur et en santé. En fait, pour la plupart d'entre nous, la volonté de vivre une vie plus consciente ne représente que des mots. Nous ne voulons pas toujours entreprendre les étapes nécessaires pour créer la vie que nous désirons. Pour cette raison, j'ai choisi d'explorer avec vous le cinquième principe de ce livre, la volonté. Il s'agit d'un concept essentiel dans une approche qui doit vous guider vers une vie pleinement vécue. Votre pensée habituelle est en grande partie le résultat des mêmes que vous avez laissés entrer dans votre cerveau, s'infiltrer et de se répandre là où il leur est possible de le faire. Commencez dès maintenant à vous rebiffer contre ces vieux schémas d'excuses et à les balancer au bas de l'escalier une marche à la fois. Afin de donner plus de force à votre sentiment de volonté, posez-vous les quatre questions suivantes. 1. Suis-je prêt à prendre l'entière responsabilité de toutes les conditions de ma vie Examinez à quel point vous critiquez les autres et les circonstances, les accusant de vous empêcher d'atteindre le succès, le bonheur et la santé que vous souhaiteriez connaître. Êtes-vous prêt à cesser de critiquer Lorsque vous blâmez les autres pour des faiblesses ou pour n'importe laquelle des conditions de votre vie, vous vous empêchez de réaliser votre propre destin supérieur. Soyez prêt à accepter l'entière responsabilité de chaque facette de votre propre vie. Vos traits de personnalité n'ont pas été hérités de qui que ce soit dans votre passé, vous les avez choisis à maintes reprises, même si les raisons ou la manière pour laquelle cela s'est produit vous échappent. Si vous êtes timide, tapageur, gentil, peureux, confiant, aimant, méchant, bon, cruel, passif ou agressif, Apprenez à affirmer, c'est ce que j'ai choisi pour moi jusqu'à maintenant. De façon similaire, si vous vous retrouvez endetté jusqu'au cou, ou que la relation avec votre partenaire ne vous satisfait pas, ou même si vous vous enduyez à mourir dans une carrière que vos parents vous ont poussé à poursuivre et que vous n'aimez pas, quelles que soient les conditions de votre vie, demandez-vous si vous êtes prêt à en prendre l'entière responsabilité. Commencez par vous concentrer sur les sujets suivants. L'état actuel de votre corps. Vous vous rendez un mauvais service si vous n'êtes pas disposé à dire avec conviction sans trop savoir comment, j'ai fabriqué une correspondance vibratoire à toutes les conditions de ma vie et je suis prêt à en prendre toute la responsabilité. Ce n'est la faute de personne. J'emporte l'entière responsabilité. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez ou n'avez pas est tout ce qui est arrivé dans votre vie. Je suis conscient qu'il paraît souvent difficile d'accepter d'être responsable. Des accidents, des mauvais traitements de l'abandon et des circonstances défavorables peuvent certainement compliquer la vie. Pour être prêt et vouloir, vous n'êtes pas obligé de ressentir un sentiment de honte ou de culpabilité personnelle au sujet des méfaits que vous avez subis. Vous pouvez effectivement avoir été victime de personnes sans éducation, mal informées et souffrant de dépendances malsaines. Ce n'était pas votre faute. Mais même en reconnaissant ce fait, soyez prêt à l'accepter sans culpabilité, comme vous accepteriez un enfant non désiré dont vous avez dû vous occuper suite à des circonstances imprévisibles. Dans n'importe quelle difficulté, il y a toujours quelque chose à apprendre. Soyez prêt à dire sur une base quotidienne, Merci mon Dieu pour les expériences que j'ai vécues. Observez les bénédictions dans chaque situation et souvenez-vous que vous n'êtes plus un enfant, mais un adulte en pleine possession de ses moyens qui est prêt à accepter ses responsabilités. J'ai attiré et j'ai créé tout ceci, et je suis heureux d'en prendre l'entière responsabilité. 2. Suis-je prêt à m'abandonner? Vous débarrassez des excuses. Suppose que vous êtes réceptif à vous transformer en quelque chose de plus grand que votre propre petit égo. Pour vivre la vie qui attend de se matérialiser pour vous, vous devez tout simplement être prêt à laisser tomber celle que vous avez peut-être mis des années à planifier. Vous devez découvrir si vous êtes capable de vous abandonner au point où cela devienne presque une seconde nature. En vous abandonnant à une puissance supérieure, vous devenez intimement familier avec l'endroit le plus élevé en vous, votre moi véritable, infini, co-créateur. Le secret consiste à vous laisser habiter par cette partie supérieure de vous-même. Comme l'affirme l'observation de Lao Tzu citée au début de ce chapitre, si vous êtes prêt à être habité par lui, vous le verrez partout même dans les choses les plus ordinaires. Alors que l'ego irritant continue de vous suggérer de tenir les rênes, contentez-vous de lâcher prise. Reconnaissez que vous ne possédez rien, que vous ne faites rien, et que tout cela se fait juste devant vos yeux. Abandonnez-vous et détachez-vous de l'idée, dominée par l'ego, qui vous suggère que le monde vous traite injustement. C'est ainsi qu'est votre vie. Point. Vous êtes venu ici quand vous étiez censé le faire et vous partirez en temps et lieu indépendamment de votre opinion sur le sujet. Que vous soyez d'accord ou pas, quelque chose de plus grand que l'ego est responsable de tout. Comme mon maître Nisargadatta Maharajal a dit un jour, la maturité spirituelle repose sur le fait d'être prêt à tout abandonner. L'abandon est la première étape, mais... Le véritable abandon se produit lorsque nous nous rendons compte qu'il n'y a rien à abandonner, puisque rien ne nous appartient. La volonté de s'abandonner signifie de ne plus jamais avoir besoin d'excuses. À la fin, les choses sont telles qu'elles sont. Dieu n'a pas besoin d'excuses. Et, étant donné que vous et Dieu êtes un, vous n'en avez plus besoin non plus. 3. Suis-je prêt à maintenir cette vision Le maintien de la vision signifie d'accepter de se soumettre aux critiques et à ce qui apparaît être un univers peu coopératif. Pour arriver à ce niveau, vous devez être prêt à vous libérer de certaines images, des visions que vous transportez une série de photographies que vous voyez projetées sur votre écran intérieur, que vous avez portées depuis votre prime enfance. Ces images sont plutôt expertes à vous montrer comment aboutir à des compromis et accepter moins que ce que vous espériez. Ces représentations de votre destin ont fini par vous définir. Vous les avez regardées pendant si longtemps que vous avez oublié qu'en réalité, elles sont fausses. Donc, si vous vous voyez comme indigne de réussir sur le plan financier, vous agissez selon l'image indigne de réussir. Cette perception définit toujours votre réalité et vous empêche de projeter des images de rechange de vous-même. Vous pouvez réajuster votre compteur de volonté pour déclarer que vous êtes prêt à examiner une vision de rechange. Après tout, il s'agit de votre écran intérieur, et seulement du vôtre. Vous pouvez afficher tout ce que vous jugez approprié et vous pouvez supprimer tout ce que vous choisissez d'enlever. Maintenant, revenons à la troisième question de cette section. Même si vous n'êtes pas convaincu que vous pouvez changer ou faire en sorte que quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant puisse se produire, êtes-vous effectivement prêt à adopter une nouvelle vision. Si votre réponse n'est pas un oui sincère, voyez s'il ne reste pas une ancienne image sur votre écran intérieur, et si c'est le cas, permettez-lui de se désintégrer pendant que vous l'observerez. Le moment viendra où vous serez prêt à maintenir une vision de vous-même en tant qu'être intelligent, énergique et méritant d'obtenir le meilleur de ce que la vie a à offrir. Vous serez alors une correspondance vibratoire de la source de toute chose. Maintenez une vision qui soutient J'ai le droit d'être respecté, aimé et heureux. De me sentir comblé, prospère et en santé, et de profiter de tous les moments de ma vie. C'est ma vision, et je suis plus que prêt, je suis absolument déterminé à poursuivre cette voie. Peu importe ce qui survient et contredit cette vision, suivez le conseil de Lao Tzu. Pour éliminer les influences négatives, il suffit de les ignorer. Ces paroles sont tellement simple, mais si profonde. 4. Suis-je prêt à me défaire de toute réticence Lorsqu'il est temps d'adopter la voie, les excuses, ça suffit, le concept de la réticence peut même avoir une plus grande influence que celui de la volonté. Donc, quelles sont les choses pour lesquelles vous éprouvez de la réticence en ce qui a trait à la réalisation de vos rêves et de vos désirs Êtes vous réticent à changer d'endroit et à déménager dans une autre ville, à quitter vos parents ou vos enfants adultes afin d'entamer la vie dont vous rêvez, de laisser votre emploi actuel par peur de perdre les avantages acquis, de dépenser l'argent que vous avez épargné pour des urgences en l'investissant dans un rêve que vous caressez aujourd'hui, d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin, de vous défendre con, contre des personnes qui continuent à vous traiter injustement. Comme vous le voyez, cette liste d'exemples pourrait se prolonger indéfiniment. Faites votre propre liste des choses que vous êtes réticents à accomplir afin de recréer votre vie. Puis, procurez-vous une grosse gomme, Effacez ces excuses de votre liste. Après avoir ajouté le titre Toutes les choses auxquelles je suis réticent et qui peuvent m'empêcher de vivre la vie que j'ai l'intention de vivre, la vie à laquelle je me suis engagé avant même que j'arrive dans ce corps et dans ce monde, conservez cette feuille de papier, même si elle tombe en lambeaux, dans un endroit bien en vue. Utilisez-la pour vous souvenir d'effacer le concept de la réticence de votre conscience. Lorsque vous rencontrez des difficultés et que vous vous trouvez à reprendre d'anciennes habitudes, regardez votre feuille vide et affirmez ce qui suit pendant au moins cinq minutes. Il n'y a rien que je sois réticent à penser ou à faire pour être tout ce que je suis destiné à devenir. Le plus important et le plus fondamental, c'est que vous n'avez plus d'excuses pour expliquer ce qui manque à votre vie. Il ne vous est pas nécessaire d'identifier des fautes ni de blâmer les autres, il vous suffit d'accomplir ce qui vous est nécessaire pour réaliser vos rêves, et vous avez le luxe de ne pas être obligé d'expliquer vos actions à qui que ce soit. Il n'y a rien de rationnel quant à ce que je vous demande d'envisager ici. C'est à votre cœur que je parle, non à votre tête. Lorsque vous sentez que vous avez quelque chose à faire et que cette voix intérieure ne veut pas se taire, je vous conseille vivement de regarder cette feuille de papier qui représente ce que vous ne ferez pas pour réaliser votre destin. Lorsque vous écarterez la réticence de votre vie, vous serez guidé vers un endroit où toutes les excuses seront à jamais hors de votre vue. Virginia Woolf, a un jour, écrit une pensée qui m'a guidé tout le long de ma vie adulte. Organisez tous les éléments qui se présentent sur votre chemin. Je vous transmets cette phrase avec cet avertissement. Vous devez être prêt à prendre tous les éléments que la vie met sur votre chemin et à les organiser de telle sorte qu'ils fonctionnent avec et pour vous plutôt que contre vous. La clé, c'est d'être prêt. Des éléments se présenteront. Ils l'ont toujours fait et ils le feront toujours. Vous serez récompensé par votre volonté de les organiser au lieu de vous plaindre. Ou de fabriquer des excuses. Le sixième principe, la passion. Quand un homme est déterminé et passionné, les dieux se joignent à lui. Échille. Lorsque j'emploie le mot passion, je réfère à une sorte d'enthousiasme, difficile à définir, qui vous propulse dans une direction et qui semble motivé par une force indépendante de votre volonté. C'est l'excitation intérieure que vous ressentez lorsque vous faites ce que vous croyez bon pour vous et pour lequel vous avez été destiné. Je soutiens que la simple présence de la passion en vous et l'enthousiasme qui l'accompagne est tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos rêves. L'enthousiasme devient notre co-créateur. La passion est un sentiment qui vous dit c'est la bonne chose à faire. Rien ne peut m'arrêter. De toute façon, ce que les autres disent n'est pas important. Ce sentiment est si bon que j'ai l'intention d'agir selon cette glorieuse sensation de joie. Songez à la définition de l'enthousiasme qu'a donné Madame de Staël en 1810. Ce mot signifie Dieu en vous. Si vous pouvez imaginer Dieu à l'œuvre en train de créer un état d'être, la forme, à partir d'un état de non-être, l'esprit, vous pouvez alors comprendre l'affirmation de Jésus qui disait que pour Dieu, tout est possible. Donc, si tout est possible pour Dieu, et si Dieu est en vous sous forme de votre enthousiasme passionné, pour quelle raison auriez-vous besoin d'employer une excuse quelconque Conservez votre passion et assurément, les excuses disparaîtront. Lorsque vous êtes enthousiaste, Rien ne semble difficile. Lorsque vous êtes passionné, les risques n'existent pas, les drames familiaux deviennent futiles, l'argent n'est plus un problème, vous savez que vous êtes fort et intelligent, et les règles forgées par les autres ne vous touchent plus. Cela est possible parce que vous répondez à votre appel, et la personne qui donne la réponse est la partie la plus élevée de vous, ou le Dieu qui est en vous. La présence de la passion en vous est le cadeau le plus extraordinaire que vous puissiez recevoir. Et lorsque cette passion s'aligne à l'esprit, traitez-la comme un miracle, en faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour la retenir. C'est ainsi que je me sens lorsque je crée mes livres. J'ai appris avec les années que lorsque je fonctionne à partir de la passion qui est en moi, aucune force dans tout l'univers ne peut m'empêcher de compléter un projet. Je sais qu'aussi longtemps que je me sens assis, je fais l'expérience de Dieu en moi. Mon enthousiasme semble faire en sorte que mon univers m'offre continuellement des expériences de collaboration co-créatrice. Et c'est pourquoi je dis que cette présence en moi est cruciale, car elle nous permet de nous identifier à l'Esprit divin créateur universel. Si vous possédez la passion, votre excitation vous propulsera puisque la force derrière elle est le Dieu en vous. Vous pourrez ainsi donner suite à ce que vous avez imaginé en ayant l'assurance que vous continuerez jusqu'à l'achèvement. Généralement, le confort et le luxe sont les principales exigences pour la survie de votre ego. Ces objectifs prioritaires ont tendance à être l'accumulation, les réalisations et l'approbation des autres. Songez à choisir quelque chose de différent pour connaître le bonheur. Tout ce qu'il vous faut pour connaître cet état de joie, c'est de ressentir de la passion pour quelque chose qui ne parle qu'à vous, qui vous fait vibrer intérieurement d'excitation, quelque chose qui irradie en vous et qui vous remplit de sentiments positifs. Et grâce à cela, vous vous sentirez déterminé et connecté à la source de votre être. La chose en elle-même n'est pas importante. Tout ce qui compte, c'est que vous ayez un sentiment intense à propos d'elle, et que vous soyez prêt à agir avec un tel enthousiasme que vous éveillez le Dieu qui dort en vous. Vous pourriez décider de vous passionner pour être dans une forme physique optimale, Traitez-vous votre corps comme un temple veillant à ses besoins les plus élevés Pouvez-vous montrer du zèle à vivre une vie saine Peut-être nourrissez-vous une idée depuis des décennies. Pouvez-vous éprouver une telle passion pour réaliser votre vision que vous activez par la présence de Dieu pour vous aider à co-créer vos rêves Souvenez-vous que la seule présence de cette passion, rien de plus est la preuve que l'énergie de l'Esprit créateur divin habite bel et bien en vous. C'est tout ce dont vous avez besoin. Il suffit d'être prêt à permettre à votre passion de parler plus fort et de s'éveiller de son état de dormance et à dire oui à vos signaux intérieurs, au Dieu qui est en vous et qui ne demande qu'à agir. J'ai affiché ces mois ces paroles de Kazantzakis, auteur de Zorba le Grec, que je lis quotidiennement. En croyant passionnément à quelque chose qui n'existe pas encore, nous le créons. Ce qui n'existe pas encore, c'est tout ce que nous n'avons pas suffisamment désiré. Le Quelque chose qui n'existe pas encore pour vous a très probablement été justifié à répétition au moyen de bien des excuses, et ce qui n'est pas suffisamment désiré décrit exactement l'absence de passion. Quand on me demande quel est mon secret pour être venu à bout de nombreuses dépendances dans ma vie, je réponds que J'en suis venu à voir la passion comme étant synonyme de Dieu. Lorsque j'ai commencé à maintenir ma vision pour moi-même avec ferveur, j'ai eu accès à la guidance divine qui a guidé ma vie. Ainsi, je découvrais soudainement de nouvelles circonstances où les dépendances étaient absentes, les bonnes personnes apparaissaient et les mauvaises étaient mystérieusement incapable d'entrer en contact avec moi. Faites l'essai de cette nouvelle vision enthousiaste. Croyez en sa capacité non seulement d'allumer le feu à l'intérieur de vous, mais aussi de le garder vivant. Dessinez ce feu, sentez-le, ressentez-le, souriez en pensant à lui, et voyez-le venir à vous directement dans votre vie sur les ailes d'un ange. Abandonnez ces justifications ennuyeuses et usées qui expliquent pourquoi vous n'avez pas été capable de vous réaliser et commencez à croire à ce moi qui n'existe pas encore plutôt qu'à cette partie de vous qui est coincée et bourrée d'excuses. Sachez que lorsque vous modifiez votre perception, les choses que vous observez se mettent à changer d'elles-mêmes. Revisitez la passion en vous et voyez comment non seulement le monde paraît différent, mais aussi agit différemment envers vous. La meilleure façon de préserver votre passion est de faire que votre lien avec la source de votre existence devienne votre principale relation au monde. Continuez à vous émerveiller et à vous étonner de tout et de toute personne que vous rencontrez. Passez votre vie dans la gratitude et l'amour, Rendez grâce pour tout ce que vous offre la nature et pour les innombrables miracles que vous voyez apparaître devant vos yeux chaque jour. En demeurant dans cet espace d'émerveillement, d'étonnement et surtout de gratitude, nous ressentons l'excitation d'être vivants. Cette position diffère énormément de celle où nous dépendons des excuses pour expliquer les lacunes de notre vie. Si votre volonté d'offrir des bénédictions est limitée, ainsi le sera votre capacité à les recevoir. C'est le fonctionnement subtil du Tao. Je vous encourage à déployer autant d'énergie qu'il vous est possible pour venir en aide aux autres. Votre enthousiasme personnel à accorder des bénédictions peut être absolument illimité. Lorsque vous êtes aligné à Dieu et que vous pensez comme Lui, vous agissez comme Dieu semble agir. Les premières lignes de l'Ancien Testament communiquent que Dieu et bien sont essentiellement synonymes. Sachez donc que lorsque vous vous sentez bien, c'est comme si vous disiez que vous sentez Dieu. La présence de la passion se sentir bien, et comme d'avoir Dieu éveillé en vous. Vous devez donc toujours traiter cette passion comme une priorité. Si nous semblons coincés dans un monde terne à simplement suivre le mouvement qui caractérise notre existence quotidienne, comment pouvons-nous nous attendre à trouver de la passion nous devons découvrir la joie et la satisfaction que nous apporte une vie vécue avec passion. C'est une bien meilleure idée que de traîner cette pénible excuse qui dit que la vie est ennuyeuse. Suggestion pour vivre une vie remplie de passion. Soyez extrêmement reconnaissants pour la réalité de la source créative à l'intérieur de vous et permettez-lui de vous guider qu'importe sa façon. Vous n'êtes pas obligé de partager votre sentiment intérieur avec quiconque qui, selon vous, chercherait à gâcher votre bonheur. Promettez-vous d'effectuer quotidiennement au moins un petit geste pour en faire une réalité. Même s'il ne s'agit que d'une méditation silencieuse sur la préservation de votre rêve, Écrire un paragraphe du livre que vous imaginez, faire un appel téléphonique pour explorer comment amorcer cette entreprise que vous rêvez de diriger, faites-le. N'oubliez jamais que pour survivre votre passion doit être nourrie. Ainsi, elle ne vous laissera jamais tomber. Comment le pourrait elle? C'est Dieu en vous, et avec Dieu tout est possible. Et nul besoin d'excuses. En commençant à regarder les choses comme si vous les voyiez pour la première fois, développez un sentiment de respect et d'admiration qui vous mènera à la création d'une passion. Ne laissez pas le concept d'ennui se glisser dans vos pensées. Comme l'a observé Thomas d'Aquin, la véritable paix consiste à ne pas nous séparer de la volonté de Dieu. Tous vos moments d'excitation, d'enthousiasme et de passion sont des moments de connexion. Ils vous apportent une paix véritable. D'un autre côté, les excuses sont ce que vous employez lorsque vous vous séparez de votre passion ou de la volonté de Dieu. Vous avez toujours le choix. La passion, la paix et l'alignement avec Dieu, ou des excuses, des excuses, et encore davantage d'excuses. Le septième principe, la compassion. La vraie compassion est plus que de jeter une pièce à un mendiant. Elle sous-tend que si un édifice produit des mendiants, il faut en refaire les fondations. Martin Luther King Jr. La compassion et les excuses. Il est impossible d'avoir besoin d'excuses lorsque le centre d'intérêt d'une vie se tourne vers Comment puis-je servir Lorsque vous pensez d'abord aux autres et que vous leur tendez la main, même si cela risque de vous déranger, vous ressentez de la joie. En servant et en s'abandonnant plutôt qu'en demandant et en exigeant, on reçoit le don de connaître le bien-être ou de ressentir Dieu. Le blâme n'a pas de place dans votre vie tant que vous vivez dans un état de bonté, et les excuses, quelles que soient leurs formes, sont toutes reliées au blâme. Lorsque vous vous tournez vers la compassion, tout blâme disparaît. Donc, peu importe ce que vous souhaitez pour vous-même, découvrez comment vous pouvez en vouloir plus encore pour quelqu'un d'autre et effectuez ensuite ce déplacement. Vous commencerez alors à penser comme Dieu, soit servir, offrir, donner et aimer librement. Ainsi, l'ego perdra sa place, l'amour et le service deviendront les maîtres absolus. J'ai découvert que lorsque je me souviens de nourrir la bonté et la courtoisie, tout dans ma vie semble se déplacer vers plus d'harmonie et de paix, sans compter que je me sens beaucoup mieux quand je donne que quand je ressens du désir. Il y a quelques années, j'ai entendu le Dalai Lama parler de la compassion. L'essence de son message contenait ces deux idées. 1. La compassion est la qualité la plus importante que l'humanité doit apprendre. C'est la façon de trouver le bonheur et la santé et d'avoir un sentiment de réussite. 2. La guerre et la violence disparaîtraient en une génération si, dès l'âge de cinq ans, on enseignait aux enfants à méditer sur la compassion une heure par semaine pendant le reste de leur vie. Tel est le pouvoir d'une approche compatissante face à la vie. Cela se résume vraiment à penser aux autres et à vivre selon cette ancienne règle d'or. Dès que vous vous sentez retourné aux excuses, répétez ce mantra ⁇ Comment puis-je servir ?⁇ Puis, donnez suite aux réponses que vous recevez. Vous vous alignerez ainsi à l'esprit universel qui donne continuellement. Le bonus, c'est que vous remarquerez que l'univers vous demande à son tour ⁇ Comment puis-je te servir ?⁇ en même temps que la compassion que vous démontrez envers les autres revient vers vous, souvenez-vous de la vérité que j'ai mentionnée dans cet ouvrage. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Assurez-vous donc que la compassion devienne ce que vous êtes. Trois questions. Voyons comment ces trois questions se rapportent à votre habileté de vivre dans une optique de compassion. 1. Quel est le meilleur moment pour accomplir toute chose Comme c'est maintenant que tout a lieu, ceci explique qu'on ne peut vivre la compassion que dans le moment présent. À tout moment de votre vie, lorsque vous étreignez une autre personne au-delà de toute préoccupation pour vous-même, vous vivez la compassion c'est le moment d'élargir votre perspective au-delà de vos propres préoccupations et d'éteindre un moi universel qui inclut tout le monde, surtout la personne qui est en face de vous. Reconnaissez que ce moment est votre pouvoir, saisissez-le et vivez dans la compassion sans égard pour vous-même, et rappelez-vous que votre rendez-vous avec la vie est toujours dans le présent. 2. Quelles sont les personnes dont vous devez le plus vous préoccuper Quelle que soit la personne qui se trouve dans votre espace immédiat, cette personne est celle qui est la plus importante et celle dont nous devons nous préoccuper. Que ce soit un ami, un membre de la famille, un collègue de travail ou un parfait étranger, par conséquent, offrez votre bonté à quiconque se trouve devant vous. C'est votre moment. Et cette personne devant vous est justement celle dont il faut vous préoccuper. Alors voici la leçon. Ne cherchez pas au-delà du moment présent. C'est maintenant que se trouve l'occasion parfaite. La personne en votre présence, peu importe son identité, est celle qui est disponible pour recevoir votre compassion. 3. Quelle est la chose la plus importante à faire en tout temps comme nous l'avons appris dans le dernier chapitre, offrir le bien équivaut à offrir Dieu. Nous ne sommes pas ici pour conquérir les autres, pour faire la guerre, devenir le numéro un ou mettre quiconque en échec. Non, nous sommes ici pour ressembler à Dieu, pour offrir le bien, pour servir, tendre la main, permettre, ne pas s'interposer et pour demeurer humble. Peu importe où nous allons. Abandonnez votre égo et vivez de façon compatissante en étant un être humain digne de ce nom. Suggestion pour vivre dans la compassion. En vous réveillant, laissez le mot merci sortir de vos lèvres. Car cela vous rappellera de commencer votre journée avec gratitude et compassion. Lorsque vous vous alignez sur une telle vision, toute votre journée reflétera cette forme de conscience. Chaque fois que vous vous sentez en train de vous servir de l'une de vos excuses familières, vous pouvez vous arrêter à mi-chemin et immédiatement vous tourner vers une personne pour qui vous ressentez une grande humanité. Notez comment les excuses se désintègrent quand vous pensez à être bon envers les autres. L'idée, c'est d'avoir l'intention de servir et de vous débarrasser des demandes de votre égo. Dans la citation du début de ce chapitre, Martin Luther King Jr. suggère que notre culture a besoin d'être restructurée et que cela peut se faire par la compassion. Je vous conseille vivement de voir à ce que les gens élus pour occuper des fonctions officielles, à tous les niveaux, offrent des messages publics qui relèvent de la sensibilité et de la bonté. Cherchez le cœur compatissant plutôt que celui qui exclut, punit, cherche à se venger ou à manipuler en se servant du pouvoir gouvernemental. Plus nos institutions reflètent une attitude humaine moins nous évoquerons d'excuses collectives pour expliquer pourquoi nous n'avons pas été capables de créer le paradis sur Terre et d'accomplir notre véritable vocation. Répétez le mantra suivant pendant au moins cinq minutes. Je suis un être de compassion. J'exprime l'amour partout autour de moi parce que cela fait partie de ma nature. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous offre les paroles suprêmes pour décrire la compassion. En concrétisant ces paroles dans notre vie aujourd'hui, toutes les excuses s'évanouiront alors très certainement. C'est la compassion en action. Vous avez entendu qu'il a été dit, Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Matthieu chapitre 5 verset 43-40. Troisième partie. Si vous corrigez votre esprit, le reste de votre vie se mettra en place. Lao Tzu. Nouvelle approche pour changer les vieilles habitudes de pensée. Les principes que j'ai décrits dans la deuxième partie sont destinés à vous aider à grandir pour passer d'un être humain doté d'une expérience spirituelle à l'inverse. Un être spirituel qui vit temporairement une expérience humaine. J'aime bien le dicton suivant. Une infinité de forêts repose en latence dans les rêves d'un seul clan. Une infinité de manifestations repose en latence en vous, mais vous devez dépasser la dormance de vos anciennes façons de penser. Pour vous aider à le faire, voici une brève revue des sept principes, les excuses, ça suffit, dont j'ai traité dans la deuxième partie. Devenez conscient de votre potentiel pour l'élévation et du pouvoir de votre esprit. Alignez-vous en pensant comme Dieu pense. Vivez ici et maintenant dans votre esprit de même que dans votre corps. Contemplez ce que vous êtes plutôt que ce que vous voulez devenir. Soyez prêt à permettre à la santé, au bonheur et au succès d'entrer à flot dans votre vie. Soyez Passionné pour toute personne et toute chose qui entre dans votre vie. Soyez compatissant, c'est-à-dire désirez pour les autres plus que pour vous-même. Ces sept outils vous aideront à dépasser votre dépendance aux excuses et ils vous aideront à corriger votre esprit. Lorsque vous serez capable d'accomplir cela, comme le rappelait Lao Tseu plus haut, le reste de votre vie se mettra en place. Oui, vous pouvez corriger votre esprit. Il est possible d'atteindre cet état d'être personne d'autre que soi-même. Vous aurez peut-être l'impression de combattre quelque chose en vous-même, mais si vous laissez le divin croître en vous, à mesure que l'inconfort bat en retraite, vous commencerez à ressentir la joie. Surtout ne sous-estimez jamais votre pouvoir de vous changer. Vous êtes absolument capable de surmonter la conviction de je ne peux pas de façon à ce qu'elle devienne rapidement je peux. Cette idée est essentielle pour éliminer les excuses. J'aimerais vous communiquer les conseils que personnellement j'ai trouvés fort utiles pour supprimer les excuses de ma vie. 1. Hein supprimer toutes les étiquettes. Généralement, les anciennes façons de penser vous accompagnent pendant toute votre vie parce que vous créez des raisons intérieures pour les renforcer et les maintenir. Car cette forme d'excuse finit par vous définir. Alors, promettez-vous de ne plus jamais utiliser d'étiquettes du genre distrait ou pas sportif que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. 2. Conversez avec votre subconscient. Décidez et faites comprendre à la partie inconsciente de vous-même qui agit et réagit sur la base d'une programmation mémétique ou génétique que vous n'allez plus la laisser diriger votre vie. 3. Commencez la pratique de la pleine conscience. Je vous encourage à commencer à faire des efforts pour être plus attentif. 4. Engagez-vous à vaincre votre inertie. Ayez une conversation privée avec votre moi supérieur et soyez prêt à tenir à la vision qu'il a pour vous, même si les anciennes excuses reviennent au galop en espérant trouver un signe de faiblesse de votre part. L'engagement écrit vous aide à vous souvenir que vous êtes en processus de redéfinition. 5. Servez-vous du pouvoir des affirmations. Non seulement devenez-vous ce à quoi vous pensez toute la journée, mais vous devenez aussi ce que vous affirmez à l'univers. Affirmez que vous méritez toute l'abondance que l'univers a à offrir. Affirmez votre amour pour vous-même. Affirmez que ce que vous voulez est déjà là et que Dieu est celui qui déterminera le bon moment, comme tout ce qui voyage sur le chemin du non-être à l'être. 6. Vivez dans un univers qui est obligeant et d'un grand secours. L'une des décisions les plus importantes que vous prendrez sans doute, c'est de choisir la sorte d'univers dans lequel vous existez. Je vous implore de voir l'univers comme étant chaleureux et d'un grand secours. Lorsque vous croyez que l'univers est amical, vous rencontrez des gens amicaux, vous vous attendez à avoir de la chance dans votre vie, en d'autres mots, vous ne cherchez pas d'excuses. 7. Ne vous plaignez pas, ne donnez pas d'explication. Mettre la faute sur les circonstances à l'extérieur de vous-même est un moyen de se servir d'excuse. En plus de cesser de vous plaindre, je recommande que vous essayiez de ne jamais donner d'explication, car ceci permet à votre ego d'entrer en scène, vous interrompez ainsi le processus créatif et vous l'empêchez de se manifester. La dernière partie de cet ouvrage se présente comme une série de questions à vous poser. Il n'y a pas d'exercice à faire, de listes adressées, ni de règles à suivre. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de garder en tête les paroles de Lao Tse. Si vous corrigez votre esprit, le reste de votre vie se mettra en place. Ce paradigme destiné à modifier une pensée habituelle consiste en fait à vous aider à corriger votre esprit. Prenez-y plaisir pendant que tout le reste ne fait que se mettre en place. La première question est-ce vrai Je suis prêt à corriger mes erreurs dès lors qu'on me démontre que ce sont des erreurs, et je suis prêt à changer d'opinion dès lors qu'elles me paraissent vraies. Abraham Lincoln Dans mes recherches, j'ai lu une estimation à l'effet qu'un adulte moyen à approximativement 60 000 pensées dans une période de 24 heures. Par conséquent, beaucoup de gens traversent leur vie à se servir des mêmes schémas, répétant continuellement les mêmes pensées. À mon avis, il est très probable que la vaste majorité de ces idées constamment réitérées soient erronées, surtout celles qui tombent dans la catégorie des excuses. La question ⁇ Est-ce vrai ?⁇ exige que vous déterminiez si vous pouvez être absolument certain que les béquilles mentales sur lesquelles vous vous appuyez sont effectivement valides. Si elles ne le sont pas, alors vous devez décider immédiatement de les invalider. Vous servir de ces excuses pour vous empêcher d'être ou de faire ce qui vous attire, c'est comme vivre sur un mensonge. Lorsque nous les examinons minutieusement, les anciennes explications familières finissent presque toujours par être fausses. Il est donc important de tester leur validité. Voici des exemples d'excuses pour illustrer le travail requis par la première question de notre nouveau paradigme. 1. Ce sera difficile. Il s'agit certainement de l'une des excuses les plus communes. Un tel mène vous empêche d'accéder à votre vision la plus élevée, mais est-il seulement valide Êtes-vous certain à 100% que ce que vous voulez accomplir constitue un défi Même si vous avez l'impression que ce n'est pas probable, vous devez admettre que la possibilité que ce soit facile plutôt que difficile est bien réelle. Donc encore une fois, si la croyance ce sera difficile, n'est pas vrai à 100%, pourquoi choisiriez-vous d'adopter cette notion 2. Ce sera un drame familial. Si vous avez tendance à vous servir de cette excuse, posez-vous cette question. Puis-je être certain à 100% qu'il y aura un drame familial si je passe à l'action Existe-t-il une possibilité que je puisse réaliser ce que je souhaite sans provoquer de crise S'il existe une possibilité qu'il n'y ait pas de problème, alors cette excuse doit se placer dans la catégorie erronée. Réfléchissez. Vous avez le choix de croire qu'il y aura une perturbation dans la famille ou qu'il n'y en aura pas. Étant donné que chacune de ces croyances a le potentiel d'être vraie, pourquoi ne pas choisir la pensée qui pourrait vous procurer les résultats que vous souhaitez En vous alignant sur l'idée d'une issue pacifique, vous avez de bien meilleures chances d'obtenir la réaction que vous souhaitez. Cimentez votre nouvelle réalité en affirmant ⁇ Ce que je désire est déjà présent et est en route. 3. Je ne peux me l'offrir. Pouvez-vous être certain à cent, que vous n'avez pas les moyens financiers d'accomplir ou de vous procurer tout ce que vous voulez S'il existe un doute quelconque dans votre esprit, peu importe que la prospérité vous paraisse peu probable maintenant, alors vous devez rejeter cette excuse. Le contraire de je ne peux me l'offrir et je peux me l'offrir même si j'ignore en ce moment comment je pourrais concrétiser ceci sur le plan financier. Encore une fois, l'importance de cette question concernant votre capacité à gagner de l'argent devient évidente. Que la pensée je peux me l'offrir soit vraie ou fausse, on peut dire la même chose de je ne peux me l'offrir. Alors pourquoi choisir l'idée qui garantit presque que vous n'atteindrez pas votre objectif Attirez plutôt la guidance universelle qui vous aidera plutôt que celle qui vous entravera. L'idée, c'est qu'en choisissant de profiter d'une pensée selon laquelle je peux me l'offrir les deux situations suivantes risquent de se produire. 1. La collaboration universelle est activée en s'alignant à un univers sans limite ni pénurie. Et 2. Vous commencez à agir en fonction de l'objet de vos pensées. La deuxième question. D'où proviennent les excuses Tout comme dans le cas des problèmes physiques, vous pouvez remédier à vos schémas de pensée habituels qui vous empêchent de vivre la vie de vos rêves en sachant comment et pourquoi ils se sont présentés. Il sera alors possible d'établir un programme de prévention. En employant le même modèle que celui de votre première consultation avec votre médecin, voici des questions qui vous aideront à comprendre la provenance de vos excuses. Quels sont vos symptômes Imaginez les excuses que vous avez employées comme étant des symptômes qui vous ont empêché de développer au maximum votre potentiel pour le bonheur, le succès et la santé. Voici des exemples de symptômes communs qui peuvent se manifester. Deux fréquents épisodes d'accusation et de critique. Vous tenez tout et tout le monde responsable de votre malheur. Le doute de soi, le ressentiment, l'anxiété et la tristesse. Deux, à quel moment remonte la première apparition de vos symptômes Vos symptômes peuvent très bien tirer leur origine des souvenirs d'enfance qui persistent toujours sous des versions adultes. Par exemple, la rationalisation je suis trop vieux est peut-être apparue sous forme de je suis trop jeune pendant votre adolescence et l'excuse adulte je suis trop occupé peut tirer son origine lorsque vous alliez à l'école de ⁇ Je ne peux jouer avec mes amis parce que je dois étudier ⁇ et ensuite aller au lit. Ces habitudes de pensée de toute une vie sont devenues tellement intégrées à votre être que ce n'est que maintenant que vous commencez à les voir comme étant symptomatiques d'un processus maladif. 3. Les gens de votre entourage avaient-ils des symptômes similaires était-il contagieux Les gens avec qui vous avez eu des contacts intimes tout au long de votre vie étaient porteurs de la maladie de fabrication d'excuses. Lorsque vous grandissiez, que vous étiez exposé à la maladie des excuses, vous étiez inconscient de ce qui se passait. Les virus de l'esprit que vous avez attrapés vous ont été transférés par la magie de la mémétique et vous avez certainement imité des gens infectés autour de vous. Ce n'est toutefois pas une raison pour rejeter la responsabilité sur qui que ce soit. Il faut plutôt comprendre que, pendant vos premières années, vous étiez un aimant pour l'énergie qui était dirigée vers vous. Malgré vos antécédents, le seul et unique endroit d'où vos excuses tirent leur origine est en vous. Pour vivre une vie entièrement libre d'excuses, vous devez être prêt à affirmer J'accepte l'entière responsabilité pour chaque fabrication d'excuses dans laquelle je me suis engagé. Si j'ai étudié avec vous ces questions, c'est pour que vous constatiez à quel point les virus de l'esprit se répandaient durant les années formatrices de votre vie. Repensez à ces comportements d'imitation de la première enfance et souvenez-vous, je n'ai plus besoin de m'accrocher à quoi que ce soit que j'ai adopté alors que j'étais jeune, peu importe la puissance de ces influences. Je vous encourage à accepter l'entière responsabilité de toutes vos tendances à fabriquer des excuses. Je vous prie tout de même de ne pas prendre cette responsabilité avec un sentiment de honte ou de remords. Sachez que tout au long de votre vie, vous avez toujours agi selon ce que vous saviez faire. Examinons attentivement des excuses pour illustrer de quelle manière s'est formée votre habitude de fabrication d'excuses. 1. Je ne le mérite pas. Comment est-il possible qu'une création de Dieu soit indigne Vous êtes et vous avez toujours été une part du divin. Sincèrement, Comment avez-vous appris à vous servir de cette excuse Lorsque vous étiez un enfant en plein développement, on vous a nourri d'idées voulant que votre mérite se fonde sur des formulations qui disent que vous êtes ce que vous faites, ce que vous possédez et ce que les autres pensent de vous. Votre valeur est devenue inextricablement rattachée à ces constructions de l'ego. Si je réussis, j'ai de la valeur. Si je gagne encore plus d'argent, j'ai de la valeur, sinon, je n'en ai pas. Pour chacune de ces catégories d'excuses, je vous conseille vivement de décider de commencer à penser quelque chose du genre. Toutes les personnes dans ma vie ont fait ce qu'elles pouvaient faire et, à une certaine époque, j'ai choisi de les suivre. Mais aujourd'hui, j'ai l'intention de me souvenir que je suis un être divin, une expression individualisée de Dieu. Par conséquent, je n'entretiendrai plus de pensées qui disent que je n'ai pas de valeur, car elles n'ont jamais servi mon plus grand bien. 2. Ce n'est pas dans ma nature. Cette excuse a été directement tirée de la liste de ce qu'on vous a enseigné que vous ne pouviez pas faire ou être. Lorsqu'on vous a dit à répétition ⁇ Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux que faire cela ⁇ et que vous consentez à devenir ce produit souhaité par votre entourage, vous finissez par croire que telle est votre nature. Donc, si vous entendez régulièrement que vous êtes paresseux, que vous êtes tout à fait comme votre père qui n'a jamais fait grand-chose, alors vous finirez par percevoir votre nature comme étant semblable à la perception que les autres avaient de votre père. Revoyez la question que je vous ai posée plus tôt dans ce livre. Qui seriez-vous si personne ne vous avait dit qui vous étiez 3. Ça va à l'encontre des règles. La tendance à obéir systématiquement aux règles est un mène ou un virus de l'esprit qui est devenu un indicateur acceptable de votre honnêteté et de votre intégrité. Mais notez cette phrase que Martin Luther King Jr. a écrite dans une lettre de la prison de Birmingham le 16 avril 1963. Il ne faut jamais oublier que tous les agissements de Hitler en Allemagne étaient légaux et que tous les actes des combattants de la liberté en Hongrie étaient illégaux. Je n'essaie pas de plaider pour l'anarchisme et pour l'indifférence aux décrets qui gouvernent une société civilisée. Je vous encourage par contre à reconnaître ce que certains de nos plus grands esprits pensent d'une vie réglée selon les règles. J'inclus ici ce que mon très grand maître Lao Tzu a écrit dans le Tao Te Ching. Quand la grandeur du Tao est présente, L'action vient du fond du cœur. Quand la grandeur du Tao est absente, l'action suit les règles. Comme vous pouvez le constater, toutes ces excuses tirent leur origine des premières années de votre vie. Soyez entièrement responsable. Il n'y a personne sur qui rejeter la responsabilité. Pardonnez à tout le monde y compris vous-même. N'oubliez pas cette phrase de la prière de Saint François. C'est en pardonnant que nous sommes pardonnés. La troisième question. Quel est l'avantage Nous nous mentons à nous-mêmes afin de toujours avoir l'excuse de l'ignorance et l'alibi de la stupidité et de l'incompréhension. Nous nous permettons ainsi de continuer en toute bonne conscience de commettre et de tolérer les crimes les plus monstrueux. Aldous Huxley Dans cette citation tirée de l'essai de Huxley, Words and Behavior, les crimes monstrueux sont commis par vous et contre vous. En manquant d'honnêteté, vous vous permettez de continuer à utiliser des processus de pensée habituels et nuisibles. Cette troisième question vous aidera à clarifier le système psychologique qui soutient de tels mensonges. À quoi vous sert-il de maintenir une habitude de pensée qui vous empêche d'accéder à une vision supérieure de vous-même cela se compare à l'alcoolique ou au toxicomane qui sait bien que ses prétextes pour ne pas mettre un terme à sa dépendance le freinent et qui pourtant maintient ce comportement sans relâche. De la même façon, vous devez sentir que vos pensées autodestructrices vous servent même si les faits indiquent le contraire. Demandez Quel est l'avantage vous permet de mieux comprendre la nature de votre servitude aux anciens schémas de pensée et vous aide à former un nouveau sentier dans votre esprit qui finira par être bien tracé. Les avantages dissimulés courants dans la fabrication d'excuses J'ai employé le mot dissimulé pour vous sensibiliser au fait que vous êtes généralement totalement inconscient des raisons qui vous pousse à toujours invoquer les mêmes vieilles excuses. Plusieurs comportements et schémas de pensée persistent parce que l'on croit en tirer des avantages, même si au fond, la plupart des bénéfices psychologiques que vous obtenez de votre habitude de fabriquer des excuses sont plutôt autodestructeurs. Voici des avantages psychologiques les plus répandus pour soutenir vos mauvaises habitudes. 1. L'évitement. Lorsque vous essayez de vous camponner à une croyance nuisible, cela ne sert qu'à vous faire tourner en rond. Des affirmations comme Ce sera très difficile, cela prendra trop de mon temps, je n'ai pas d'argent servent à peine à justifier votre inaction par une explication. Mais, une fois que vous avez justifié votre comportement, vous êtes libre de profiter des avantages qu'apporte l'évitement. L'excuse devient votre allié même si elle ne cherche pas nécessairement votre plus grand bien. Pour inverser ce système d'avantages, prenez la décision de ne plus vous servir d'excuse pour éviter de faire ce que vous savez être dans votre meilleur intérêt. Aujourd'hui, accomplissez quelque chose que vous évitez normalement de faire. Évitement que vous expliquez au moyen d'une excuse. Affirmer Je possède un libre arbitre et je n'ai pas besoin d'éviter quoi que ce soit. Je m'abstiendrai de me servir de toute excuse pour justifier mon comportement d'évitement. 2. La sécurité Personne n'aime se sentir en danger. Nous utilisons donc des excuses pour éviter des situations potentiellement dangereuses. À l'intérieur de vous, il y a un appel puissant qui vous conseille vivement de suivre le destin que vous sentez bouillonner dans vos veines. Par contre, lorsque vous choisissez la route la plus sécuritaire, vous évitez cet appel. D'un côté, vous vous sentez attiré par votre objectif, et de l'autre, toutes ces excuses commodes, telles des sirènes, vous attirent par leur chant. Pour inverser ce système davantage, décidez d'abandonner les excuses dont vous vous servez habituellement, et adoptez la philosophie d'avoir un esprit ouvert à tout et attaché à rien. Affirmez, je choisis le chemin le moins fréquenté, et je résiste à rechercher ce qui m'est familier et ce qui m'apporte un sentiment de sécurité. 3. Un moyen de s'en sortir le plus facilement possible. Si vous devez choisir entre accomplir quelque chose qui nécessite des efforts de votre part et accomplir quelque chose qui n'en requiert aucun, il est fort probable que vous choisissiez la dernière solution, même si ce choix ne conduit pas à vos objectifs. L'ego est fréquemment en conflit avec ce que désire votre moi supérieur. Je connais pertinemment l'effort et la lutte que je vis au quotidien quand je choisis de m'asseoir et d'écrire jour après jour jusqu'à ce que je termine un livre. Je reconnais que ce travail me permet d'être en équilibre ou aligné aux appels les plus élevés de mon âme. Même alors, au fil des années, j'ai remarqué qu'il était extrêmement tentant de permettre aux excuses de m'empêcher de faire ce que mon cœur me dit que je dois accomplir. Elles insistent. C'est un trop gros projet, tu n'as rien d'autre à prouver, contente toi donc de te détendre. L'écriture t'éloigne de ta famille, et tu as déjà beaucoup trop d'engagements. Ces affirmations me fourniraient un avantage facile si je les acceptais. Mais les résultats de mon labeur et tout le bien que de tels efforts semblent apporter aux gens me donne bien plus de joie que tout plaisir temporaire que je pourrais obtenir en prenant la voie facile et en évitant de faire ce que je dois. Pour inverser ce système davantage, ayez une conversation avec votre subconscient. Expliquez-lui que vous ne souhaitez plus vivre ainsi, et puis, Choisissez d'effectuer un retournement. Au lieu de vous féliciter quand vous évitez quelque chose de difficile, applaudissez-vous lorsque vous avez le courage et la détermination d'avancer dans une nouvelle direction qui sera éventuellement inconfortable. Affirmez, je suis ouvert à faire des choix difficiles quand ils sont en harmonie avec mon plus grand bien. La manipulation L'un des très grands avantages des excuses, c'est l'occasion de manipuler les autres pour qu'ils suivent vos ordres. Alors que ce n'est peut-être pas perçu comme la plus positive des choses, c'est quand même ce qui se produit. Lorsque vous faites le choix d'utiliser une excuse comme ⁇ Je n'en ai pas l'énergie, je suis trop occupé ⁇ ou toute autre raison semblable, vous reportez cette responsabilité sur une autre personne. Vous êtes alors en mesure d'observer comment votre excuse l'incite à agir. Pour inverser ce système davantage, ayez une conversation avec vous-même avant de parler ou d'agir d'une façon qui risque de manipuler d'autres personnes. Évaluez les conséquences probables de vos paroles. Comme résultat final, il se peut que ce soit suffisant pour rester silencieux et permettre à votre ego de prendre une pause bien méritée, plutôt que de distribuer des conseils qui sont en réalité une forme de manipulation. Affirmez, je ressens un sentiment de satisfaction. Je n'ai nul besoin de maîtriser ou de manipuler quiconque pour qu'il pense et agisse comme je le souhaite. 5. Avoir raison. Il n'y a rien que le faux moi aime plus que d'avoir raison et de faire en sorte que quelqu'un d'autre ait tort. Et l'ego adore se sentir gagnant, surtout aux dépens des autres. Les excuses sont simplement des explications que vous fabriquez pour vous-même, et pourtant, même si elles sont mensongères, elle vous apporte une certaine forme de récompense. Vous finissez par avoir l'illusion de gagner. Dans ce cas, l'excuse est une déception qui maintient votre faible estime de vous-même. Vous avez substitué une excuse à une valeur personnelle authentique et le bénéfice, c'est que votre raisonnement vous aide à vivre avec vous-même sans reconnaître votre aveuglement. Lorsque vous êtes un fabricant d'excuses, vous avez besoin d'avoir raison et de sortir tout ce à quoi vous pouvez penser pour prouver au monde à quel point les autres font erreur, et inversement, à quel point vous avez raison. Pour inverser ce système davantage, commencez à permettre aux autres d'avoir raison. Faites de ces paroles la pierre angulaire de votre nouvelle politique en les répétant aux autres aussi souvent que possible. Dites, vous avez raison à ce sujet. Alors que l'ego protestera avec véhémence, cette stratégie ne peut que vous apporter la paix et le bonheur. Alors, préférez-vous avoir raison ou être heureux Affirmez, je me libère de la tendance à chercher à ce que les autres aient tort. Six, le blâme. Lorsque vous avez recours à une excuse, la récompense suprême, c'est de vous débarrasser de la responsabilité de vos propres défauts pour la déposer sur les épaules de quelqu'un d'autre. Une fois encore, c'est l'œuvre de l'ego, ce faux moi qui ne croit pas en votre nature divine infinie et qui ne cesse de vous comparer aux gens et aux événements de ce monde matériel. Si vous ne réussissez pas bien, si vous êtes malheureux, en mauvaise santé, indigent, malchanceux, l'ego vous dit que c'est la faute de quelque chose, de quelqu'un qui est extérieur à vous-même, pour maintenir sa fierté. Alors que votre moi supérieur se développe dans l'humilité, l'ego, pour sa part, est exceptionnellement fier. Le rejet des responsabilités accorde un dividende colossal, donc l'ego construit quelque chose, pour pouvoir s'en servir chaque fois que c'est possible. Incapable d'épargner de l'argent, de payer vos factures ou de justifier votre faillite, non seulement le jeu du blâme vous procure un bouc émissaire commode, mais il vous accorde aussi un généreux avantage pour continuer à employer toutes les excuses qui sont devenues votre façon de vivre. Pour inverser ce système d'avantages Rappelez vous, que personne ne peut vous imposer des sentiments sans votre consentement. Par conséquent, vous n'avez pas à blâmer quiconque pour quoi que ce soit qui puisse se passer dans votre vie. Avec ce simple concept, vous éliminez de façon permanente le système d'avantages dont vous profitez en blâmant les autres pour vos défauts, et vous éliminez votre tendance à fabriquer des excuses. Affirmez. Je reconnais mes responsabilités plutôt que de lancer des accusations, et je suis prêt à abandonner ma tendance à blâmer les autres, peu importe ce qui se produit dans ma vie. 7. La protection. Pour maintenir les bénéfices de l'enfance sans paraître puéril, vous avez créé des excuses qui vous permettent de battre en retraite dans un territoire familier, là où vous avez l'impression qu'on prend soin de vous. En qualité de parent, je concevais que mon rôle était d'aider les enfants à prendre conscience qu'il n'était pas nécessaire de s'appuyer sur qui que ce soit dans la vie. Mais lorsque certains de mes enfants ont atteint l'âge adulte, j'ai remarqué que de toute évidence ils étaient réticents à assumer l'entière responsabilité de leur propre personne. Alors que les excuses ont fait leur apparition, j'ai constaté qu'ils cherchaient à se protéger en laissant les autres décider pour eux. Je ne suis pas assez fort se traduisait par. Tu le fais pour moi, papa, comme ça je pourrais à nouveau me sentir protégé et. Je ne peux me l'offrir se traduisait par. Tu paies pour ça, et comme ça tu me sors du pétrin. D'une façon similaire, de nombreuses excuses dont vous pouvez vous servir incluent l'avantage de vous permettre de justifier vos lacunes et d'avoir à nouveau l'impression d'être un adolescent. Même si, en régressant vers l'enfance, vous pouvez vous sentir temporairement protégé, de toute évidence, cela vous cloue sur place. Après tout, la réalité veut que maman et papa ne puissent vous protéger pour toujours. Pour inverser ce système davantage, tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destin était en vous avant, durant et après votre conception. Revenez donc maintenant à cette connaissance. Le système d'avantages qui vous permet de vous sentir fragile et d'avoir besoin de beaucoup d'attention et de protection disparaît en même temps que vous commencez à avoir confiance en vous. En même temps, vous faites confiance en l'infinie sagesse qui vous a créé. Affirmer, je suis un être mature et je suis arrivé ici à partir du non-être, pourvu de tout ce dont j'ai besoin pour réaliser ma grandeur. 8. Fuir le moment présent. Le moment présent est tout ce qui a toujours été et tout ce qui ne sera jamais. Comme toute autre activité mentale, la fabrication d'excuses se passe entièrement dans l'ici et maintenant. C'est donc ainsi que vous utilisez le présent. Si vous gaspillez ce moment à vous justifier et à être sur la défensive, il n'est alors plus possible de l'utiliser pour faire quelque chose de constructif. Même si fuir le moment présent peut être un comportement névrotique par nature, c'est malgré tout un mécanisme commode de fuite qui vous permet de rester enfermé dans vos anciennes habitudes. Pour inverser ce système davantage, je vous conseille vivement de penser au présent pour ce qu'il est, un merveilleux cadeau de votre source. Lorsque vous occupez le moment présent à penser à vos comportements passés, à vous inquiéter parce que quelqu'un vous a blessé ou à vous inquiéter de l'avenir, en fait vous dites non, merci à votre source de ce précieux cadeau. Affirmez, je refuse d'utiliser mes précieux moments présents d'une façon qui m'éloigne de l'amour divin dont je suis issu. Voyez-vous la folie de votre mentalité d'excuse autoparalysante? Alors, faites attention. Ne créez pas un système d'avantages ou d'excuses par pitié, par crainte ou pour vous défendre. C'est un moment extraordinaire pour partager avec vous cette pensée que je répète fréquemment. Lorsque vous changez votre façon de voir les choses, les choses que vous voyez se transforment. La quatrième question. À quoi ma vie ressemblerait-elle si je ne pouvais me servir de ces excuses Ce qui est maintenant prouvé n'était jadis qu'imaginé. William Blake Dans la quatrième question du paradigme Les excuses, ça suffit. Vous entrez dans le monde merveilleux de votre propre imagination qui est essentiel pour faire passer les choses du monde du non-être à celui de l'être. Ce chapitre est conçu pour vous aider à accomplir le même genre de travail que celui que peut faire un petit gland qui a pour mission de créer toute une forêt. Vous possédez en vous le pouvoir de créer une série d'idées que vous pouvez utiliser vous-même pour effacer les obstacles afin de parvenir à votre ultime appel. Lorsque vous imaginez que vous êtes libéré du besoin d'employer des excuses, vous agissez enfin en fonction de ce que vous imaginez. Essayez d'imaginer précisément ce à quoi ressemblerait votre vie et comment vous vous sentiriez s'il vous était impossible d'avoir recours à vos modèles d'excuses il sera plus facile de commencer en prenant l'habitude de visualiser exactement qui vous êtes comme si vous y étiez déjà arrivé. Voir la personne que vous voulez être comme étant déjà là. Examinons attentivement la citation du début de ce chapitre, de même que les implications de mettre fin à l'habitude de fabriquer des excuses. Notre ami, le poète M. Blake, nous dit que nous avons d'abord imaginé ces idées qui nous limitent avant qu'elles ne deviennent des faits concrets de notre vie. Si l'observation de Blake est vraie pour vous, son corollaire s'applique aussi bien. En d'autres mots, si vous effectuez le changement, les excuses, ça suffit, et que vous vous accrochez à ces principes, vous vous prouvez. À vous-même, combien votre imagination a de pouvoir? Et c'est pourquoi j'ai inclus les mots déjà là concernant la façon dont vous voulez vous voir. Dans l'un des essais de Ralph Waldo Emerson, une phrase m'a fait une profonde impression. L'imagination est une forme de vision supérieure. Pour moi, il s'agit de voir avec un V majuscule. Imaginez votre chemin vers une vie sans excuses. En permettant à votre imagination de se déchaîner, je vous encourage à examiner activement la question À quoi ma vie ressemblerait-elle si je ne pouvais me servir de ces excuses Imaginez une sorte de potion magique qui vous empêche de cultiver des pensées qui ont un rapport quelconque avec des excuses, et portez une attention particulière à ce que cette visualisation provoque en vous. À quoi ressemblerait votre vie Comment vous sentiriez-vous Quelles seraient vos pensées de rechange Je vous guiderai maintenant à travers cet exercice en me servant de quelques-unes des excuses du catalogue. 1. Hein? Ce sera difficile, ça prendra beaucoup de temps. Ces deux excuses similaires sont souvent substituées à l'action. Maintenant, imaginez que vous ne pouvez pas concevoir qu'une tâche soit difficile ou qu'elle exige beaucoup de temps. Alors, s'il était pour vous absolument impossible de penser de cette manière, à quoi votre vie ressemblerait-elle Vous seriez heureux de pouvoir agir plutôt que de vous justifier ou de vous plaindre Ayant totalement écarté ces limitations, laissez-moi risquer l'hypothèse que vous vous sentiriez en extase et enfin complètement centré sur vos objectifs. Un sentiment de liberté vous ravirait car vous n'éviteriez plus votre véritable dharma. Le moment présent du voyage vous apporterait le succès et le bonheur que vous désirez. La joie dominerait votre vie et vous feriez l'expérience d'un bonheur absolu puisque vous seriez guidé par votre créativité et par votre initiative plutôt que par la peur de la déception. 2. Ce sera un drame familial. Imaginez que vous ne puissiez évoquer même une seule pensée qui prédise une perturbation familiale quelconque. C'est une façon de penser qui équivaut à vous attendre à ce que vos parents acceptent toute décision que vous prenez sans résistance, critique ou, ou de rejet. Votre famille est, à tout le moins, neutre et peut-être même indifférente. Il n'y a ni pagaille ni antagonisme et aucun drame dont vous auriez à vous préoccuper. Sans cette excuse, à quoi votre vie ressemblerait elle? Elle serait exactement comme vous auriez toujours voulu qu'elle soit. Vous n'auriez jamais à consulter quelqu'un dont vous ne valorisez pas l'opinion, vous choisiriez le genre de travail que vous préférez, vous habiteriez où cela vous plaît, sans un seul instant de conflit, ou de désapprobation de la part de vos parents. Vous vous sentiriez libre chaque fois que vous décidez de faire quelque chose qui vous apporte le bonheur absolu. Prenez une seconde maintenant pour imaginer que votre famille vous encourage avec enthousiasme dans chaque décision que vous prenez concernant votre vie. C'est ainsi que vous vous sentiriez chaque jour s'il vous était impossible d'entretenir les pensées qui motive cette excuse. Étant donné que vous ne pourriez plus employer l'excuse du drame familial, vos nouvelles pensées seraient basées exclusivement sur la meilleure façon de mener votre vie. 4. Je n'ai pas l'énergie nécessaire, je suis trop occupé. Lorsque vous vous engagez dans des activités où vous vous sentez bien, votre corps réagit avec des sensations de bien-être. Cela équivaut à sentir la présence de votre source d'énergie. Celle-ci sait exactement pourquoi vous êtes ici et elle collabore avec vous dès que vous êtes aligné à l'énergie qui vous a voulu ici en premier lieu. Comme vous le savez, vos actions circulent directement à partir de vos pensées. Donc, vos pensées se concentreraient sur ce qui est possible plutôt que sur ce qui ne l'est pas. Vous réfléchiriez sur ce qui vous apporte de la joie et vous permet de rester en harmonie avec votre vision supérieure de vous-même. C'est ainsi que l'on pense quand on a choisi de ne plus évoquer les excuses. Si vous êtes sur le point de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre pour expliquer que votre vie ne se déroule pas comme vous le souhaiteriez, je vous encourage à penser à quel point votre univers se transformerait si vous n'aviez pas la possibilité de blâmer. À quoi ma vie ressemblerait-elle Comment me sentirais-je En quoi mes pensées seraient-elles différentes si mon cerveau ne pouvait trouver aucune forme d'excuse pour blâmer qui que ce soit, sinon moi-même Et oui, c'est exactement cela vous vous tourneriez immédiatement vers vous même, non pas pour résoudre votre problème, mais pour vous en détacher avec le temps. C'est l'objectif de ce paradigme, de ce chapitre et de ce livre dans son ensemble. Il est temps pour vous de grandir et de vivre une vie les excuses ça suffit. Lorsque vous intégrez ce concept, vous souhaitez la bienvenue à ces nouvelles idées pour les laisser entrer dans votre vie. La cinquième question. Puis-je créer une raison rationnelle de changer Ne croyez ni ne rejetez quoi que ce soit seulement parce que d'autres personnes l'ont cru ou rejeté avant. Votre propre raison, c'est l'unique oracle que vous est donné le ciel. Thomas Jefferson Quatre critères pour créer une raison rationnelle de changer Les quatre questions précédentes dans le paradigme « Les excuses, ça suffit !» vous ont conseillé vivement d'examiner la véracité de vos excuses, de rechercher leurs origines, de revoir les avantages que vous en tirez, puis d'imaginer à quoi ressemblerait votre vie sans ces modèles de pensée limitatifs. Il est maintenant essentiel de comprendre la nécessité de vous servir de la logique au moment où vous faites un changement important dans votre vie. Cela nous mène à la cinquième question. Puis-je créer une raison rationnelle de changer Si vous acceptez intellectuellement les quatre critères qui suivent, votre capacité de miner et de réduire la valeur de vos anciens schémas habituels sera fondée sur une base solide et vous obtiendrez votre diplôme. Les excuses, ça suffit, avec mention. Critère numéro 1. Ça doit avoir un sens. Vous n'arriverez pas à éliminer des habitudes de pensée qui ont eu cours pendant toute une vie si vous n'êtes pas convaincu qu'il s'agit de quelque chose de raisonnable à réaliser. Si vous répondez affirmativement à Est ce que je veux vraiment faire ce changement, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant et réussir. Mais si vous entretenez le moindre doute, votre habitude de fabriquer des excuses refera surface et vous retournerez vers vos anciennes habitudes. Vous pouvez choisir d'être quelqu'un qui se libère immédiatement de ses limites. Cette unique pensée fondamentale vous conduira vers un nouveau chemin à prendre. Cela a du sens pour moi, même si personne ne me comprend et que j'ignore comment le réaliser. Et c'est ce à quoi je vais m'accrocher. Chaque étape à partir de cette prise de position mène à une autre, puis à une autre, jusqu'à ce que vous connaissiez enfin la liberté inhérente à une vie sans le poids des excuses. Critère numéro 2. Ça doit être faisable. Il existe en vous un espace privé où il n'est permis à aucun visiteur d'entrer. C'est à cet endroit que vous vous rencontrerez en toute honnêteté, là où vous savez ce à quoi vous êtes prêt à rêver, ce que vous êtes prêt à désirer et à finir par réaliser. C'est aussi là où vous trouverez votre réponse à cette question. Suis-je prêt à faire ce qu'il faut pour vaincre ces vieilles habitudes de pensée et d'action et en suis-je capable si vous répondez en affirmant que vous êtes incapable d'effectuer un changement, vous devez vous connaître assez bien pour prédire que vous n'accomplirez pas le travail nécessaire pour réaliser ce changement. Il serait alors sage de tenir compte de cette réponse. Oubliez toute idée à propos de changer ces anciennes habitudes, du moins pour le moment. Par contre, si vous ignorez comment vous y arriverez, mais que vous avez quand même l'impression que c'est faisable, allez-y. Vous découvrirez que les réponses vous viendront parce que vous êtes prêt à envisager ces changements comme des possibilités réelles. Critère numéro 3. Ça doit vous permettre de vous sentir bien. Votre cerveau gauche se charge des détails de votre vie. C'est là que vous analysez, que vous évaluez, et que vous mettez les choses en place, et les deux premiers critères détaillés plus haut sont reliés à cette partie de votre cerveau. Lorsque vous vous posez la question ⁇ Puis-je créer une raison rationnelle pour changer ?⁇ Votre intellect répond ⁇ Oui, effectivement, c'est logique, et je crois vraiment que je peux faire cette chose et apporter les changements désirés. ⁇ D'un autre côté, votre cerveau droit s'occupe d'éléments comme vos émotions, votre intuition, votre enthousiasme et même votre conscience. Examinons donc la création d'une raison rationnelle pour effectuer un changement du point de vue du cerveau droit et découvrons les sentiments provoqués par ce changement. Si vous voulez vous débarrasser de vos vieilles habitudes et anciennes excuses, prenez le temps d'explorer cet endroit secret en vous. Fermez les yeux et visualisez-vous comme étant complètement libéré de ses limites. Comment votre corps réagit-il Si vous vous sentez bien, vous possédez toute l'évidence nécessaire pour vous prouver que vous avez une raison rationnelle de changer. Critère numéro 4. Ça doit être aligné avec les appels de votre âme. Comment déterminez-vous que vous êtes aligné avec la raison d'être de votre âme Vous le savez par la manière dont la raison rationnelle s'adresse directement à vous dans celui intime qui est en vous. Les pensées et les sentiments qui émergent ont tendance à se présenter ainsi. C'est vraiment qui je suis. En effectuant ces changements et en supprimant ces excuses, je vivrai ma vie délibérément, assumant un destin que je suis venu ici pour accomplir. Suggestion pour appliquer la cinquième question du paradigme. Examinez vraiment vos habitudes en même temps que toutes les excuses que vous avez adoptées pour vous expliquer. Posez-vous ensuite une simple question. Ces excuses me permettent-elles de me sentir bien Si la réponse est non, alors il vous incombe de commencer le processus de prise de décision qui vous permettra de vous sentir bien. C'est comme si vous vous aligniez sur les appels de votre âme, car effectivement, lorsque nous ressentons ce sentiment de bien-être, nous nous élevons pour nous aligner avec les appels de notre âme. Le simple fait d'affirmer J'ai l'intention de me sentir bien est une raison puissante et rationnelle pour vivre une vie libre d'excuses. Utilisez la raison pour supprimer les excuses et les comportements auxquels vous êtes habitué. Comme Benjamin Franklin a écrit en 1753, Lorsque la raison prêche, si vous ne l'entendez pas, elle vous cassera les oreilles. Écoutez ou couvrez-vous les oreilles. La sixième question. Puis-je avoir accès à la coopération universelle pour me défaire de mes anciennes habitudes? Lorsque vous vous posez cette question, vous commencez à appliquer les principes mystiques de la conscience supérieure dans votre vie. Le moment est venu pour vous de recouvrer votre pure intuition originelle la clarté et la lumière qui vous habitent maintenant, comme elles l'ont toujours fait, là où vous trouverez la guidance divine. Il est à présent temps d'abandonner vos ambitions matérialistes et de vous tourner vers cette guidance. La loi de l'attraction proclame que les choses qui se ressemblent se rassemblent. Donc, servez-vous de la loi de l'attraction pour dire adieu aux excuses. Lorsque vous le ferez, l'univers vous reconnaîtra. Car lorsque vous vous alignerez à votre moi originel et authentique plutôt qu'à votre ego, vous commencerez à sentir que vous collaborez avec le destin. S'aligner à la source dans vos pensées et dans vos actions. S'aligner à la source d'énergie de toute création signifie de ne pas mettre l'accent sur qu'est-ce qu'il y a pour moi et de se concentrer sur comment puis-je servir Que puis-je offrir Comment puis-je être Utile. Quand vous vous comporterez ainsi, l'univers réagira de façon similaire, vous demandant ⁇ Comment puis-je te servir Que puis-je t'offrir Comment puis-je t'être utile ?⁇ C'est alors que les anciennes habitudes de l'ego se dissipent et sont remplacées par des événements significatifs inattendus, impliquant les bonnes personnes, les bonnes circonstances et l'apparition des fonds nécessaires. Je ne peux trop mettre l'accent sur le fait que vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. Donc, si vous voulez voir disparaître vos vieilles habitudes et accéder à la guidance divine en vivant les niveaux les plus élevés de bonheur, de succès et de santé, vous devez oublier de chercher ce que vous pouvez en retirer personnellement. vivre les vertus. Il y a quelque 2500 ans, Lao Tse a parlé des quatre vertus cardinales. D'après ses enseignements, celles-ci constituent le moyen le plus sûr de dépasser vos habitudes et excuses pour enfin vous reconnecter à votre nature originelle. La première vertu cardinale, un respect admiratif pour tout ce qui existe. celle-ci se manifeste dans votre vie quotidienne sous forme d'amour inconditionnel et de respect pour tous les êtres de la création. Il vous faut donc déployer des efforts conscients pour vous aimer et vous respecter vous-même et pour supprimer tous les jugements et toutes les critiques des mêmes de l'enfance. En même temps que vous adoptez cette première vertu cardinale, permettez-vous de voir les autres comme voulant vous aider à maximiser votre potentiel humain. Comme Patanjani l'a dit il y a plusieurs milliers d'années, lorsque vous vous abstenez délibérément de diriger des pensées nuisibles vers les autres, toutes les créatures vivantes cessent de se sentir hostiles en votre présence. Pour y arriver, il est important d'être tellement inébranlable qu'il vous arrive rarement. Ou jamais de manquer de respecter cette première vertu cardinale. La deuxième vertu cardinale, la sincérité naturelle. Cette vertu se manifeste sous forme d'honnêteté, de simplicité et de loyauté. Elle exige de vivre une vie qui reflète des choix qui découlent du respect et de l'affection pour votre propre nature. Lorsque vous vous connaissez, et que vous avez confiance en vous-même, vous reconnaissez aussi le divin qui vous a créé et vous lui faites confiance. Cela signifie que si vous savez que c'est votre âme qui vous lance un appel pour que vous viviez selon votre nature véritable, même si personne ne comprend, faites-le. En vivant l'appel de votre esprit avec honnêteté, sincérité et loyauté, vous n'aurez jamais l'occasion d'utiliser des excuses. La troisième vertu cardinale, l'amabilité. Cette vertu se manifeste sous forme de bonté, de considération envers autrui et de sensibilité face à la vérité spirituelle. Être aimable, c'est accepter la vie et les gens comme ils sont, plutôt que d'insister pour qu'ils vous ressemblent. Lorsque vous mettez ces notions en pratique, vous cessez d'accuser les autres et vous prenez plaisir à vivre dans un monde paisible, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez adopté cette troisième vertu cardinale d'amabilité. La quatrième vertu cardinale, la solidarité. Cette vertu se manifeste dans votre vie sous forme de service aux autres. Encore une fois, Lorsque vous agissez envers autrui dans un esprit de don, d'entraide ou d'amour, vous demandez à l'esprit universel ⁇ De quelle façon puis-je servir ?⁇ Et vous agissez comme Dieu le fait. Prenez l'habitude de donner et d'offrir vos services sans vous attendre à obtenir une récompense ou un merci en retour. C'est ce dont parle Khalil Gibran dans le prophète. Il y en a qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. C'est tellement simple. Cesser d'être centré sur vous-même équivaut à éliminer les excuses. Les quatre vertus cardinales sont une carte routière vers la simple vérité de l'univers. Témoigner du respect envers tout ce qui existe. Vivre dans une sincérité naturelle, pratiquer l'amabilité et être au service des autres est comme reproduire le champ énergétique d'où vous tirez votre origine. Il est impossible que ça ne réussisse pas. Vos habitudes disparaîtront et vos excuses s'envoleront très certainement. La septième question. comment puis-je renforcer cette nouvelle manière d'être de façon continue pour apprendre à surmonter les excuses il faut former votre esprit à s'harmoniser ou à s'unir à la source comme l'a dit Krishna lorsque l'harmonie ne règne pas dans l'esprit il est difficile d'atteindre la communion avec dieu mais L'homme qui possède un esprit où règne l'harmonie réussit à l'atteindre s'il entend et s'il fait des efforts. Le reste de ce chapitre porte surtout sur des suggestions en mesure de vous aider à demeurer en harmonie avec la source de tout ce qui est. À travers toute votre pratique, il est essentiel de penser comme Dieu, de rester consciemment connecté à la source et aussi détaché que possible du monde matériel. Ainsi, vous permettez au royaume angélique de vous guider pour franchir toutes les portes qui s'ouvriront maintenant pour vous. Chacun des sept principes pour vivre une vie libre d'excuses, de même que les sept composantes du nouveau paradigme, sont orientés vers le message que Krishna transmet à Arjuna. Quand vous harmonisez votre esprit à la source, il n'existe aucun besoin pour les mauvaises habitudes ou les excuses. Voici des suggestions pour vous unir à votre source afin de vivre à partir de ce lieu. 1. Le savoir. Acquérir le savoir. C'est comme avoir une chambre privée qui contient toutes les réponses dont vous avez besoin et dont vous êtes le seul à posséder la clé. Voici comment je me parle concernant mon propre savoir. Il existe en moi un endroit sacré qui possède un savoir. Il m'appartient à moi seul et je le partage avec la source de mon être. Dans cet espace à l'intérieur de moi, je ne doute pas de pouvoir obtenir la guidance nécessaire lorsque je suis uni à ma source. Je réserve cet espace de savoir sacré pour les moments où les anciennes habitudes et les excuses essaient d'influencer ma vie. Réaliser à quel point l'assurance de ce savoir est importante pour vivre une vie libérée des excuses. Deux, Agissez toujours comme le ferait votre source. À partir de ce savoir intérieur où le doute est banni, demandez-vous, que ferait Dieu maintenant Lorsque vous demandez ce que ferait Dieu ou l'amour, vous attirez l'énergie de la source qui s'était perdue lors du parcours du développement de votre ego depuis l'enfance jusqu'à présent. 3. Devenez silencieux. Décidez de réduire le niveau de bruit dans votre vie. C'est souvent dans le silence, dans le vide, qu'est la source créatrice de toute forme, que l'on découvre des façons de se défaire de certaines habitudes en même temps que les excuses qui les accompagnent. Apprenez donc à passer du temps chaque jour en contemplation paisible. Par exemple, quand vous conduisez seul, ne permettez pas un bavardage constant de bombarder votre monde intérieur. Comme Swami Sivananda le rappelait à ses adeptes, le silence est le langage de Dieu. Demandez en silence, écoutez en silence et permettez au silence de vous servir de tremplin pour vous unir à la force créatrice de l'univers. 4. Redonner de l'énergie à votre environnement. La loi de l'attraction est efficace quand vous vous entourez de gens qui sont sur une voie spirituelle semblable à la vôtre. Souvenez-vous, cette loi affirme que les choses qui se ressemblent se rassemblent. Donc, vous attirerez l'énergie de la source en lui ressemblant. Renforcez encore plus votre nouvelle façon d'être en voyant à ce que votre environnement reflète le style de ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble. Dans ce genre d'énergie, des gens qui pensent comme vous apparaîtront. 5. Retournez à la nature. Vous trouverez vos réponses dans la nature, parce que Dieu est nature, intacte non entretenu, vivant dans l'immobilité et fourmillant de vie. Lorsque vous vous y retrouverez, vous commencerez à voir l'aspect miraculeux de chaque centimètre cube d'espace. Vous ressentirez la présence d'une énergie avec laquelle vous avez peut-être perdu contact dans votre vie quotidienne. Cette énergie est en vous, tout comme elle se trouve partout dans la flore et la faune. Il est très facile de s'aligner à l'esprit créateur de Dieu ou du Tao lorsque vous vous retrouvez dans un décor naturel sans prétention. 6. Assurez-vous que votre principale relation se fait avec votre principal allié. Bien entendu, aimez votre famille et tous les êtres sur cette planète. Attachez une grande valeur à toutes vos relations, mais d'abord et avant tout, établissez une priorité en ce qui concerne votre relation à votre moi supérieur. Lorsque vous voyez Dieu comme étant simplement amour, il ne reste plus de place pour les excuses et les mauvaises habitudes. L'amour, qui est votre essence créatrice, sera tout ce que vous pourrez donner. Les anciennes habitudes disparaissent beaucoup plus volontiers quand votre principal allié est le numéro un dans votre vie. C'est parce que votre principal allié est amour pur, et quand c'est là que vous vous rendez en premier lieu, tout ce dont vous pouvez avoir besoin vous est fourni. 7. Appliquez les principes du paradigme Je conclus ce chapitre en vous rappelant d'appliquer les principes du paradigme les excuses, ça suffit chaque fois que vous vous trouvez enfermé dans des schémas de pensée ou de comportement qui vont à l'encontre du but que vous recherchez. J'aimerais vous laisser, avec un résumé de l'essence du paradigme, les excuses, ça suffit, accompagné d'une courte réponse à chacune des sept questions. Un, hein est-ce vrai? Probablement pas. 2. D'où proviennent ces excuses Je leur ai permis d'émerger. 3. Quel est l'avantage J'arrive à éviter les risques et à rester le ou la même. 4. À quoi ma vie ressemblerait-elle si je ne pouvais me servir de ces excuses je serai libre d'être moi-même. 5. Puis-je créer une raison rationnelle de changer Facilement. 6. Puis-je avoir accès à la coopération universelle pour me défaire de mes anciennes habitudes Oui, tout simplement en m'alignant à la source de mon être. Et 7. Comment puis-je renforcer cette nouvelle façon d'être de façon continue en demeurant vigilant excuses deviennent choses du passé alors que je conclus ce labeur d'amour j'espère que vous connaîtrez le plaisir céleste de vivre chaque jour aligné à votre source de telle sorte que vous pourrez crier excuse je n'ai plus besoin de vous dans ma vie hors d'ici Adéa Audio vous a présenté « Les excuses, ça suffit » par Wayne Dyer. À la narration, Vincent Davy. Adaptation, Anne-Marie Maisonneuve. Révision, Nicolas Pinard. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance.